Nous allons commencer doucement. Pour cette donc dernière matinée du colloque en trois parties sur les cabines de conduite, tout d'abord bonjour à toutes et à tous, à ceux qui je n'ai pas encore salué. Donc ce matin, Francis Beaussier qui va animer cette matinée vous le précisera davantage, nous accueillons une session consacrée essentiellement aux témoignages d'acteurs, donc avec Pierre Vigne, Daniel Brun et Philippe Hérissé, comme les autres matinées, mais si tout le monde n'a pas pu forcément tous suivre, je vous demande de couper vos sons et vidéos pendant les interventions pour des questions de bande passante de connexion. Vous pouvez toujours poser des questions, soit par écrit dans discussion ou questions-réponses, soit pour les spectateurs, lever la main et puis on vous ouvrira votre micro. Donc il y aura une section de questions-réponses après les interventions de Pierre Vigne et Daniel Brun, et une autre session après Philippe Hérissé, où là on pourra revenir sur tout ce qui a été dit à la fois dans la matinée et dans les deux matinées précédentes. Eh bien, je crois que pour l'instant, j'ai tout dit et je vais passer la parole à Francis Beaussier. Juste une dernière chose, hier matin, on a commencé un peu plus tôt que prévu sur le programme. Donc là, ce matin, on va vraiment attendre 9h30 et entre Francis et le début de Pierre Vigne, si besoin, on passera un petit film de 5 minutes pour vous dépayser en cette matinée de vendredi. Merci et je passe la parole à Francis. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, c'est moi qui vais procédé à l'animation de cette demi-journée de colloque. Alors, je vais préciser que je ne suis pas du tout un ingénieur, je suis encore moins cheminot, je suis géographe, c'est-à-dire du côté des sciences sociales et des sciences humaines. Et tout l'intérêt de ces trois journées, c'était effectivement de faire se rencontrer d'un côté l'ingénierie, l'innovation technologique, et puis de l'autre côté la façon dont ça pouvait être utilisé. C'est ça, le rapport homme-machine. Donc, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans ces séquences précédentes et je voudrais dire aux concepteurs de ces trois demi-journées que j'avais trouvé audacieux de mêler finalement des questions relatives au chemin de fer, au grand chemin de fer, au métro et au tramway. Et finalement, c'est quelque chose d'intéressant qui sort, si on veut bien prendre du recul par rapport à ce qui s'est dit de façon extrêmement précise sur des sujets très, très pointus. C'était d'essayer de voir si tout ça fonctionnait de façon parallèle ou bien s'il y avait des bretelles éventuellement entre ces trois domaines du tramway, du métro et du chemin de fer. Et c'est vrai que l'évolution des techniques laisse supposer une espèce de rapprochement technologique, une espèce de, je dirais pas de standardisation, mais quelque chose qui finalement est moins spécifique que ça n'a pu l'être par le passé. Ça, c'était la première observation que je me faisais en particulier hier en entendant les différentes interventions. Le deuxième élément que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais Georges Ribeil l'a signalé hier à un moment donné dans les échanges, donc c'est passé très vite, c'est qu'au fond, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit, c'est-à-dire le passage à une nouvelle technique et aussi à une nouvelle pratique, puisque c'est toujours le problème de rapport entre technique et pratique qui est intéressant dans cette affaire, il y a des circonstances qui ont certainement besoin d'être éclairées, finalement aussi, par l'histoire. Et puis, il y a des personnalités. Et je trouve très intéressant d'avoir pu repérer à certains moments, alors même si ça n'a pas été toujours approfondi, je pense qu'il y a là des pistes pour poursuivre ce travail. Des personnalités et des circonstances, et je crois que c'est quelque chose qui intéresse toujours l'histoire des sciences, de savoir comment une technologie, comment une invention passe dans la pratique et à quel moment et dans quelles circonstances elle peut le faire. Alors, tout ça, c'est un peu avec du recul, puisqu'en fait, le frein Westinghouse est un sujet très intéressant auquel je ne connaissais à peu près rien à part le nom.
Mais du coup, en prenant du recul, voilà ce qu'un géographe, un historien, qui est vraiment calé du côté des sciences sociales, a pu apprécier de ses interventions. Alors, ce matin, sa troisième demi-journée, dans cette espèce de colloque entre des concepteurs, des praticiens aussi, et puis des chercheurs, ce matin, ce sont des témoignages de personnalités qui ont été en première ligne finalement à un moment donné dans leur carrière professionnelle. Pierre Vigne, qui est directeur honoraire à la SNCF, c'est un ancien directeur de la traction et qui va s'intéresser aux années 90. Et il faut signaler également que Pierre Vigne aura été une personnalité importante au sein de Rail et Histoire, puisqu'il aura été jusqu'à peu de temps membre du comité scientifique de Rail et Histoire. Bonjour Pierre Vigne. Et puis Daniel Brun, retraité du matériel, alors un cadre supérieur à la SNCF aussi. Et là, le sujet est tout à fait intéressant. Je parlais tout à l'heure des parallèles entre le tramway et le métro, mais on pourrait aussi parler de parallèles ou pas entre les différents réseaux. Et avec une interrogation sur Eurostar, c'est évidemment un problème de rencontre entre trois réseaux, pardon, et probablement trois cultures professionnelles, peut-être un petit peu différentes. Donc, Daniel Brun nous présentera cette question après Pierre Vigne. On aura ensuite un intermède, et puis, alors, une pause d'abord, une pause d'écran, et puis un intermède vidéo pour un petit film de 15 minutes. Et puis, on terminera la matinée avec Philippe Hérisset, alors également un cheminot, mais que les gens qui ne sont pas cheminots connaissent aussi s'ils ont été abonnés toute leur vie à la vie du rail, bien entendu. Et Philippe Hérisset va présenter une double frise chronologique, si je puis dire. D'un côté, l'évolution de la technologie, et de l'autre côté, la conception de la cabine de conduite qui nous rapproche évidemment de la pratique par le conducteur. Quand on aura fini cette séquence-là, je ramasserai quelques éléments, mais chacun d'entre nous aura pu le faire au fil de la matinée. Et puis ensuite, on donnera la parole à Georges Ribeil pour tirer les fils finalement de ces trois demi-journées. Voilà ce que je vous propose pour ce matin. Cécile, peut-être, je te rends la parole. Merci, Le géographe Francis. Francis, hein, je voulais dire qu'au fond, la géographie n'est pas absente de nos propos en Bien matière de sûr, bien conception sûr. de la traction. Hein. J'ai évoqué à plusieurs reprises, et c'est tout à fait classique, que dans la tradition des grands réseaux, des compagnies privées, au fond, à chaque ligne ouverte, en fonction du trafic, du relief géographique, on mettait au point quasiment une locomotive adaptée. Hein. Donc la géographie, finalement, Oui, tout d'abord à du fait. relief à peser. J'évoquais aussi le rôle de la proximité des ressources énergétiques, combustible, houille, selon la qualité de la houille aussi, qui a structuré plus ou moins des dépôts, des manières de concevoir des foyers de locomotive. Et je n'oublierai pas, pour évoquer ce facteur géographique, la découverte des réserves hydroélectriques de l'entre-deux-guerres qui ont permis à la France d'électrifier assez rapidement les deux, trois réseaux du PO et du Midi. Autrement dit, Absolument. Francis, la géographie est dans le coup. Hein, Ah oui, d'accord. tout à fait, Bon, oui. merci. Merci, merci. Merci. Merci, Georges. Nous allons, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vous proposer une petite vidéo de 5-6 minutes. Et je donne le top départ à Silver, qui veut bien la lancer. Merci. Un parcours hors du commun pour lequel nous rejoignons tout de suite Grégoire et Sylvain. La neige. Oh, mais ça va arriver, hein. Il paraît que Un peu de temps, l'hiver ouais. arrive. Ah. Bonjour, vous allez bien? Bien. Ouais, super, merci. Je m'appelle Sylvain Robillard. Je suis né en France, je conduis des trains en Suisse, j'ai 36 ans, je suis père de deux enfants et je suis marié. Et je conduis depuis 5 ans au MOB, au chemin de fer MOB, donc sur les trois lignes,
Montreux, Zweisimmen, Montreux, les Rochennais et Vevey, Blenay, les Pléiades. Bonjour, je m'appelle Eliane Ludy, je suis agente du mouvement au chemin de fer MAMB. Je travaille ici au guichet pour la vente des billets. Je fais aussi un peu de service postal et je gère l'infrastructure de la ligne Montreux, Lyon, Rocher-de-Neille, les trains, le personnel. Le signal est ouvert, on va pouvoir partir. On a un petit bout de montagne assez intéressante. On part des palmiers de Montreux à 365 mètres d'altitude pour monter jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Sur tout le parcours de la ligne des Rochennais, on peut observer des montagnes, des Alpes valaisannes, des Alpes fribourgeoises. On voit même de l'autre côté du lac les montagnes du côté français, bien sûr. Mais on a aussi une vision absolument féerique du bassin lémanique du lac Léman. Évidemment, on parle du lac Léman et surtout pas du lac de Genève ici. On arrive dans un paysage, dans notre monde, dans notre temps. Je pense que ce qu'il faut dire aussi des gens qui ont construit cette ligne, ils l'ont construit à main d'homme, à dos de mulet, à coups d'explosifs. Et c'était vraiment un travail de forcené. Mais la réussite est là. Depuis maintenant plus de 100 ans, on arrive à amener pratiquement 100 000 personnes toutes les années au sommet de notre montagne des Rochennais. Prochain arrêt. Rocher-de-Neille, gare terminus. Bien qu'on quitte le brouillard. Si c'est de la crémaillère, c'est que c'est de la montagne. Et la montagne, on ne choisit pas, c'est la nature qui décide. Voilà, ce sont les éléments naturels. On doit travailler avec. On ne les subit pas, il faut travailler avec. Le principe de la crémaillère, c'est pouvoir justement avoir des fortes rampes et des fortes pentes. Mais ça sous-entend, vu que ça monte assez fort, ça sous-entend quand même qu'on est limité en vitesse. Il y a quelque chose qui est très important en tout cas sur nos lignes, c'est le confort du passager. Après on a la régularité, je pense qu'en Suisse c'est quand même quelque chose de très important. Et puis on a un devoir et on est payé pour avoir un confort de conduite et c'est aussi notre marque de fabrique. Prochain arrêt Montreux, gare terminus. Ce petit air frais matinal fait du bien en cette chaleur au moins parisienne. Francis, toi qui aimes bien les chemins de fer suisses. Oui, j'aime bien. Mais les chemins de fer de tous les pays, en fait, bien sûr. Mais j'ai un faible pour la voie métrique, qui plus est. Alors, je pense que si Pierre Vigne est en ligne, il est 25, 26. Est-ce qu'on peut commencer ou est-ce qu'il faut. On a nos spectateurs, 36, qui sont 36 en tout, 24 qui sont en ligne. Cécile, tu penses qu'on peut commencer? Je pense qu'on peut y aller, oui. Je passe la parole à Monsieur Vigne pour. Sa communication sur la SNCF des années 90 et l'amélioration de l'ergonomie des cabines de conduite. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, je vais commencer doucement, d'abord pour faire le raccord avec la voie de 80, et puis pour atteindre 7h30 pour les gens qui commenceraient pile à l'heure. Donc, comme je l'ai indiqué sur cette première page de ma présentation, ce n'est pas une étude que je présente, c'est un témoignage. J'ai eu la chance de participer à un certain nombre de grandes évolutions de l'attraction dans les années 90. Et nous avons travaillé pas mal sur les cabines de conduite, entre autres, à l'époque. Je vais vous faire partager cette expérience. Bien, donc, en 1990, la SNCF a décidé de mettre des hommes nouveaux à la tête de l'attraction pour changer un mode de fonctionnement qui avait fait ses preuves, mais qui datait, et aussi pour se libérer d'un certain nombre de contraintes. La plupart des problèmes de l'attraction remontaient par la voie syndicale au plus haut de l'entreprise. Et ça, nos grands patrons en avaient assez, ils voulaient que les bonnes décisions soient prises au bon niveau, et ils estimaient que ce n'était pas à eux de régler les problèmes de foyer, de modernisation des cabines de conduite ou d'évolution réglementaire. Donc, ils ont demandé à ces nouveaux dirigeants de prendre en main complètement leur système. Et j'ai fait partie de cette première équipe. Et puis, on héritait aussi, en 90, d'une série d'accidents qui avaient traumatisé la SNCF et le pays. Je rappelle les accidents de Flaujac, 35 morts, Argenton-sur-Creuse, 43, la gare de Lyon, 56, voire 57, et enfin la gare de l'Est, la goutte d'eau, si je puis dire, qui a fait déborder le vase, un mort. Donc, ces accidents ont montré pour toute la SNCF, il n'y a pas que l'attraction, qu'un certain nombre de problèmes se posaient, à la fois sur la conception des métiers, sur les documents mis en œuvre et sur les outils qui les accompagnaient. Donc, il a fallu repenser beaucoup de choses. Le mode de management des individus n'était pas non plus exclu. Donc, la SNCF et l'État ont mis en place une commission d'experts qui a été chargée de faire un audit sur le système de sécurité. Il était présidé par M. Monnet et il a été remis assez rapidement, en avril 89, c'est-à-dire moins de 6 mois après le dernier accident. De ceci, il ressortait une volonté de moderniser la traction et son management ainsi que ses pratiques, et aussi, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, un plan d'action concernant les cabines de conduite avec un appel très poussé aux sciences humaines, donc les ergonomes en premier bien sûr, mais aussi pas mal de sociologues, d'autres compétences, et une grande part de concertation. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de concertation. Les dirigeants de l'attraction, qui étaient tous issus du terrain, avaient pas mal de racines qui leur permettaient de remonter de la sève et des informations. Mais chaque dirigeant avait son interprétation de l'époque à laquelle il était sur le terrain et quelquefois, il y avait un peu de retard à l'allumage. Donc, beaucoup de modifications mises en œuvre et les cabines de conduite en sont un des exemples. Donc, j'ai sur ces deux photos, deux exemples de cabines de conduite qu'on voyait encore très couramment en 1990. Donc, celle du haut, c'est celle d'une BB 8500, les petites cousines 17000 leur ressemblaient beaucoup. On les appelait les danseuses, puisqu'il fallait s'accrocher pour pouvoir tenir à bord de la cabine de conduite. Une conduite essentiellement debout, du reste on aurait eu du mal à concevoir de s'asseoir correctement devant le pupitre puisqu'on n'arrivait pas à y glisser les genoux. En bas, une cabine relativement moderne dans les années 90, celle de la CC 6500 qui était apparue quelques 20 ans plus tôt, malgré tout, mais qui montrait quand même un certain effort à la fois pour le confort du conducteur, il pouvait mettre ses jambes sous le pupitre, à la contrainte près des pédales VACMA, dont on reparlera tout à l'heure, mais c'était quand même un compromis intéressant. Mais on voit que ça n'a pas l'aspect d'une cabine de pilotage d'un avion, mais c'est plein d'informations dans tous les sens.
Donc, un certain nombre d'idées nous ont guidés, et puis on les a découvertes aussi au fur et à mesure que les études des spécialistes tombaient. Il y avait à remettre un peu d'ordre. Certes, le frein était toujours à gauche, la traction toujours à droite, mais un certain nombre d'éléments étaient venus s'intercaler. Les informations qu'on donnait, des informations qu'on jugeait primordiales, vous voyez que la vitesse est sur la droite, alors qu'on donne des informations sur l'ampérage et le voltage des moteurs, au niveau des moteurs. Bon, toutes ces informations ont pu être intéressantes à une certaine époque où on embauchait des électriciens pour conduire. À partir du moment où on embauche des boulangers et qu'on les forme à la conduite, ça ne parle plus beaucoup pour eux. Et de toute façon, les engins de plus en plus modernes arrivaient à se réguler à partir d'informations de commande et non plus de suivi. Donc, des choses ont changé. La conduite se considère assise. Donc, ça, c'est un tournant qui avait été pris et qui est largement maintenu et amplifié. On a un cerclo de traction-freinage, donc on tractionne en donnant des impulsions vers la gauche, on freine dans l'autre sens. La vitesse, information essentielle, va glisser petit à petit devant les conducteurs. Les ampèremètres et les voltmètres vont faire place aussi petit à petit à une information plus synthétique sur l'effort fourni par l'engin par rapport à ce qu'on peut supposer être demandé pour faire le train. Le frein, il est déjà sur la 6500, est commandé électriquement et il ne le sera plus que électriquement. Le H7A que l'on voit sur la cabine 8500 sur la gauche disparaîtra. Je parle encore au futur parce que certains engins l'ont gardé longtemps. Les commandes et les accessoires vont passer du côté gauche, du côté droit, pardon, on voit les boutons à levier sur le côté droit, sur la 8500, devant le conducteur, sous le cerclo. Ils reviendront sur la droite quand on aura des écrans. Et on a aussi dans l'idée d'harmoniser complètement les cabines de conduite des engins électriques et des diesels. Alors ça peut paraître farfelu, mais quand on commande un engin uniquement en fonction de la puissance dont il peut disposer et non plus en fonction de son fonctionnement profond, on peut y arriver, vous verrez les exemples. Alors, la sécurité, donc j'ai parlé de l'abandon du H7A qui était déjà largement entamé. Il y a eu peu de modifications en fait pour pouvoir modifier les engins, c'est assez compliqué comme dispositif sur les engins. Et du coup, les engins munis de H7A sont quasiment morts avec leurs installations d'origine. Des points annexes qui peuvent sembler annexes pour des puristes échevelés. Les essuie-glaces, qui étaient de simples balais au bout d'une tige métallique, sont devenus des outils efficaces, mais il a fallu faire de grosses études, parce qu'à grande vitesse, les essuie-glaces ont tendance à effleurer la surface vitrée, il faut donc quelque chose de beaucoup plus puissant. Et on a fait des études avec les gens de la direction du matériel pour trouver quelque chose qui réponde au problème. Une uniformisation aussi des différents dispositifs de sécurité d'urgence. Les dispositifs avaient été mis en place sur les engins en fonction de la place qui est restée. Vous voyez que sur l'exemple de la 8500, la place était largement disputée. Ce qui fait qu'on était quelquefois contraint de mettre les boutons de frein d'urgence, ces champignons rouges comme on les appelait, dans des endroits où ils n'étaient pas faciles d'accès et même que le mécanicien qui voulait s'en servir dans l'urgence et dans la précipitation arrivait à se blesser. Donc, on a recherché des dispositifs beaucoup plus simples et mieux disposés. Alors, pour les cabines d'avenir, c'était simple à faire, on pouvait le concevoir. Pour les anciennes, c'était un peu plus compliqué, mais on y est arrivé aussi. Du côté du BC Panto, puisque c'est le deuxième geste d'urgence, on a aussi mis des dispositifs qui se passaient des clés de commande des Panto. On verra que par la suite, tout a été synthétisé.
Pour les diesels, c'est pareil, on n'a pas de baissé panto, mais on a une coupure du moteur diesel. Donc, il fallait là aussi harmoniser. Donc, a priori, on avait le geste d'urgence, la main gauche commandait le frein et la main droite, le baissé panto ou l'arrêt du moteur diesel. J'ai une petite anecdote sur le freinage. On s'est aperçu au travers d'analyses d'accidents où on avait des chocs de frontaux, que les conducteurs essayant de freiner à l'urgence avaient complètement déformé leur commande de bouton poussoir. Et après tout, quand on fait une analyse ergonomique, comme on est habitué à freiner normalement avec un bouton poussoir en le tirant vers soi, quand on veut freiner à l'urgence, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on tire à fond. Mais ça ne commande rien du tout, ça ne fait que commander fortement le frein, mais pas le frein d'urgence. Donc on a mis cette position à terme, après beaucoup de discussions, en bout de course du bouton de freinage, en supplément du bouton rouge. La VACMA, n'a jamais été remise en cause, bien sûr, mais il faut bien constater que c'est quelque chose qui est assez contraignant pour le mécanicien. Donc j'ai parlé des pédales tout à l'heure. Les pédales sont quelque chose d'anti-ergonomique au possible. Le conducteur est obligé de mettre ses pieds dans des sabots. Alors, il peut conduire debout, retirer ses pieds, mais à ce moment-là, il faut qu'il prenne le relais par les mains au niveau du manipulateur ou de son pupitre, ce qui est une autre habitude. Mais quand il se sert de ses pieds pour pouvoir manœuvrer les commandes de la VACMA, les systèmes ont été mis en place avec des sabots qui obligent à mettre le pied et la jambe dans une certaine position qui sont une véritable contrainte et qui peuvent être douloureuses. Alors, vous me direz, si on souffre, c'est qu'on est en vie et qu'en conséquence, la VACMA va donner de bons résultats. Ben, ça, c'est vrai jusqu'au moment où, après des études, nous sommes aperçus que des conducteurs s'étaient complètement assoupis entre Cahors et Brive et vigilaient parfaitement la VACMA en dehors de toute... Je dirais pas conscience, puisqu'il le faisait, mais volonté affichée. Et ça marchait très bien. Le conducteur arrivait à Brive, il était reposé, puisque de toute façon, il ne pouvait rien lui arriver entre Cahors et Brive. Il passait dans des tunnels, dans des coins où il y a que le chemin de fer qui passe. Et arrivé à Brive, ben, il sortait du dernier tunnel, il passait sur un petit aqueduc qui faisait un bruit très particulier dans les cabines de conduite, ça le réveillait et il était bon pour pouvoir aborder la gare de Brive. Donc, la VACMA, on peut le faire aussi par automatisme et pas du tout par vigilance ou conscience pure. Donc, ça montre que l'homme est en vie devant son pupitre, ça ne montre pas qu'il est vigilant pour autre. Il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont été faites à une certaine époque pour voir si on pouvait se servir des informations liées l'utilisation de la VACMA pour réveiller un mécanicien qui se serait assoupi. On les a abandonnés parce qu'on ne voyait pas comment on pourrait réveiller le mécanicien si ce n'est lui faire arrêter son train, ce que la VACMA sait très bien faire toute seule. Donc, on a laissé tomber. Mais ça nous a appris beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement. On a remplacé aussi le cerclot, qui était une contrainte pour tenir avec les mains le système de la VACMA. Donc le cerclot était doublé, vous l'avez vu sur la 8500, par un cerclot inférieur qu'il fallait relever pour pouvoir actionner la VACMA ou le relâcher de temps en temps. On l'a remplacé par des touches à effleurement. Et sur certaines locomotives, on en a même disposé le long du pupitre, parce que sur une 12000, par exemple, vous pouvez toujours chercher où mettre un cerclot, vous ne le trouverez pas. C'est la fameuse machine à trancher le jambon. Enfin, c'est une antiquité aujourd'hui et qui ne circule plus, mais c'était une où l'ergonomie était la plus terrible. Voilà. Alors, on avait aussi à gérer l'introduction du KVB. Donc, le KVB est une des conséquences techniques des accidents de la... des 5 accidents dont j'ai parlé et de quelques autres, c'est le filet de protection que le conducteur n'avait pas.
dans un poste d'aiguillage, il y a des enclenchements pour protéger les éventuelles erreurs, se protéger des éventuelles erreurs. Dans une cabine de conduite, il n'y en avait pas, en dehors de la VACMA. Donc, on a mis ce système hérité des Suédois, donc avec quelques contraintes par rapport aux règles de conduite qui n'avaient pas été bien expliquées et que peut-être les tractionnaires avaient mal cherché à comprendre. Toujours est-il, quand ça a été mis en service, ça a posé un certain nombre de problèmes par rapport aux règles de conduite qu'on avait à l'époque. Il a donc fallu repenser la formation. Ça a été un très gros effort, et puis amener un complément aussi, la vitesse sécuritaire d'approche, pardon, par rapport aux signaux fermés. Ça a été ajouté en verrue sur les pupitres au début, bien sûr, manque de place ou autre, et par la suite, ça a été mieux intégré. Mais nous avions notre filet de sécurité. La cabine, espace de vie, donc habitabilité. Les cabines ont toujours été très petites, pour des questions de masse, de longueur inutile par rapport au train. Donc, il fallait loger tout ce qui permettait de tirer. Mais mettre le mécanicien dans une cabine agréable ou assez grande, ce n'était pas forcément la première priorité. Donc, le siège existait, mais il n'y avait pas de recul derrière. D'abord, au début, c'était un siège assez rudimentaire, même si c'était mieux que les sellettes des bébés 1 à 80. Impossibilité d'y mettre un siège confortable et réglable. Donc, il y a eu des études de fait pour essayer d'améliorer le siège tel qu'il était, et puis aussi de concevoir des cabines de conduite un peu plus grandes, qui permettent d'avoir un siège correct pour des gens qui sont là quand même plusieurs heures en tête du train. Pour les engins existants, les 4500 ont été légèrement agrandis, ce qui fait que le nez penchait un peu de temps en temps. Pour les 17000, on avait fait des réflexions, il y a une des cabines qui peut être agrandie, donc ça a obligé à spécialiser le parc, mais les gestionnaires de locomotives ont refusé parce que les locomotives étaient réputées être mixtes, même celles qui passaient toute leur journée au bout d'une rame de banlieue. Donc, ça a été abandonné. Le Nord avait trouvé par la suite, pour ses rames Paris-Beauvais, la rame dromadaire où la locomotive était au milieu du train. Donc, le combat a été rude entre le confort du conducteur d'une part et la masse et la longueur des locomotives d'autre part, mais on va y arriver. Le siège. Donc à l'époque, j'avais été faire avec quelques collègues une mission en Suède et nous avions vu que les Suédois, eux, avaient pris le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'il y avait un conducteur qui devait conduire la locomotive et qu'il fallait le mettre dans de bonnes conditions. Donc, en se tournant à 90 degrés par rapport à l'axe de la locomotive, le conducteur pouvait prendre en repos tout ce qui est le plus correct à l'intérieur de la locomotive, le siège pouvant s'étendre. Chez nous, ce n'était pas envisageable, au moins au début. Mais il y avait aussi d'autres éléments pour le confort de cabine. L'étanchéité des portes et des vitres. Alors, on n'avait pas la climatisation par la vitre, comme sur les voitures corail, mais l'air arrivait à y passer au bout de quelques années. Les portes fermaient mal, donc le bruit, le vent, les fuites d'air, tout ça, ça posait de gros problèmes. Donc des solutions ont été trouvées. Au lieu d'avoir une porte qui donne directement dans la cabine, pour avoir plus de place dans la cabine et moins de problèmes avec les inétanchéités de la porte, on a éloigné la porte de la cabine elle-même. Et les portes se sont retrouvées souvent dans la partie moteur, en face du couloir de séparation. Et puis, il y avait aussi les problèmes d'entretien. Un organe qui est conçu étanche au début, si on ne l'entretient pas, il est évident qu'il se mettra à fuir. Le chauffage réglable, puis la climatisation, et là aussi, il a fallu faire de grosses batailles. Les grands patrons qui étaient responsables des investissements ne voyaient pas pourquoi on mettrait de la climatisation dans les cabines de conduite, où on avait des mecs qui savaient s'en passer.
Donc l'apparition de la climatisation dans les voitures, dans les camions, les étés de plus en plus chauds qu'on a commencé à connaître dans les années 90 ont eu raison de tous ces atermoiements. D'autres éléments de confort que nous avions vus aussi en Suède, la machine à café, la radio, tout ça, ça a fait l'objet d'un refus catégorique pour des raisons de sécurité. C'est à croire que les chemins de fer suédois sont des chemins de fer laxistes et sans sécurité. Autre question aussi qui est apparue, les WC. Donc les Suédois, à l'époque où nous étions allés, avaient des urinoirs dans leur cabine de conduite. Alors il faut dire que lorsque vous conduisez dans le nord de la Suède, entre deux murs de neige, vous avez du mal à descendre la cabine de conduite pour aller uriner entre les tampons. Donc les Suédois avaient conçu qu'il était logique de donner cet élément de confort aux conducteurs. Ça leur posait des problèmes d'entretien, mais ils le maintenaient. Nous avons fait des études en France. Ça a été très dur de faire admettre l'idée, d'abord parce que ça prenait de la place, bien sûr, dans le compartiment moteur. Or, il y a toujours besoin de place pour mettre de différents éléments. Les problèmes d'hygiène, les problèmes aussi d'éventuel arrêt du train dans un tunnel, sur un viaduc, alors que normalement, on demande au conducteur, quand il a des problèmes, d'éviter de s'arrêter dans ces endroits-là. Mais on a réussi à trouver la place qu'il fallait dans une locomotive de TGV. C'était prévu de faire des essais. On a fait aussi des études de bouclage avec les médecins pour savoir si les conducteurs avaient des problèmes particuliers au niveau de la vessie et des organes urinaires. Nous n'avons jamais obtenu de résultats. Secret médical. La caisse de prévoyance, idem, n'a pas voulu nous renseigner. Le seul enseignement qu'on a eu par des médecins qu'on avait quand même réunis, c'est de nous dire, vous savez, les conducteurs partent en moyenne autour de 55 ans et c'est pas à cet âge-là que les problèmes se naissent. Donc après, on ne sait pas. Et on n'a pas pu savoir par la caisse de prévoyance ce qui se passait après 55 ans. Entre-temps, les Suédois nous ont fait savoir que la féminisation, les problèmes d'hygiène dans leur cabine ou dans leur locomotive fait qu'ils déposaient les urinoirs en question et qu'ils prévoyaient, eux, comme on l'a fait par la suite, des arrêts qui permettent au personnel d'aller ou dans la rame qu'ils ont derrière eux ou dans des installations fixes au sol pour pouvoir se soulager. La couleur aussi, les cabines de conduite étaient jaunes, qui devenait pisseux avec le temps. Donc on a cherché d'autres éléments d'habillage. Je dis bien habillage, il n'y a pas forcément que de la peinture. Et puis aussi de prévoir en entretien, là aussi, des lessivages réguliers, comme on le faisait pour les parties voyageurs dans les rames. Avec des reprises de peinture en révision, ce qui n'est pas simple. Une cabine de conduite, c'est vraiment un organe très petit, même si on peut l'agrandir un peu. Mais pour le repeindre, c'est pas simple. Mais ça se faisait. Et puis aussi un nettoyage régulier qui n'était pas fait par le passé, en dehors de la balayette, pour ramasser les cendres par terre. Autre gros point d'avancée, ça a été la cabine centrale. On travaillait de plus en plus sur voie banalisée. On allait à l'étranger, ça s'ouvrait de plus en plus, donc avec passage à droite ou à gauche. Et on ne voyait pas pourquoi on resterait avec une cabine à gauche. D'autant que la cabine centrale donne une très bonne visibilité sur tout ce qui se passe devant. Donc on avait développé tout un argumentaire. On est reparti voir les grands argentiers de la maison qui nous ont répondu qu'on commençait à les embêter. Mais ces mêmes personnes discutaient à l'époque avec Alstom parce qu'il y avait un gros problème de bruit à régler. Les rames TGV de l'époque faisaient beaucoup de bruit pour les riverains, même dans les zones où il n'y a pas grand monde. Et la SNCF avait demandé à voir avec Alstom pour réduire le bruit. Et Alstom avait répondu que pour les locomotives ou les cabines d'une manière générale, ça leur posait un gros problème parce qu'elles étaient dissymétriques. Or, les solutions nécessitaient cette symétrie. Et nous avons obtenu gain de cause, mais pas pour nos arguments à nous, uniquement pour des arguments bassement monétaires. On a lâché à Alstom la symétrisation des cabines de conduite. La seule chose, c'est que dans notre empressement à trouver une solution pour mettre le conducteur dans de bonnes conditions, on avait oublié
un élément quand même en termes de management des conducteurs très important, c'est que les conducteurs doivent être accompagnés par un chef de traction un certain nombre de fois par an. Or, dans une cabine centrale, on n'avait pas prévu de placer le chef de traction. Donc, il a fallu mettre des strapontins. Par la suite, on a trouvé des solutions plus intéressantes, mais c'était un loupé. Comme quoi, même en baignant dans le jus d'une profession, on en oublie quelquefois certains éléments essentiels. Ça nous a amené aussi à faire, comme la plupart des pays autour de nous, à mettre des rétroviseurs pour permettre aux conducteurs de voir à droite et à gauche. Ils voyaient bien à gauche, ils voyaient mal à droite, de toute façon, dans l'ancien système. Donc, le rétroviseur était une solution qui permettait de tout faire correctement. Cabine de conduite, introduction de nouvelles technologies. Vision tête haute. Donc, on a fait des essais qui nous ont permis de voir que si on mettait du vert, qui est la couleur classique de la vision tête haute, on indiquait au mécanicien qu'il avait voie libre en permanence. Enfin, ça lui donnait cette impression-là. Il voyait du vert devant lui tout le temps. Donc, on est passé à la couleur bleue. C'est le seul élément que les essais ont permis de mettre en évidence. On n'a pas développé la vision tête haute. Il y a quelques cabines de Z2N qui ont été modifiées pour faire les essais. Ça n'a pas été plus lourd. Encore faut-il savoir quelle information on donne au conducteur en tête haute. C'était essentiellement la vitesse qu'on lui donnait. Ça n'allait pas très loin. Les écrans. Donc, ça a été une révolution en France. C'était une pratique courante au Japon depuis des dizaines d'années. Un mécanicien au Japon arrive avec une petite carte, genre carte de crédit, et il la glisse sur son pupitre, et ça dit qui il est, la journée qu'il a à faire, les éléments de son parcours, puisqu'il a préenregistré en passant au dépôt, puisqu'il y passe, lui, tous les éléments de sa journée de travail, y compris les ralentissements en ligne et tout, avec recalcul de l'horaire. Mais bon, on l'a découvert en France, et petit à petit, on l'a intégré. On a aussi profité de ça pour supprimer un peu de papier, mais pas beaucoup, parce qu'on avait toujours peur que ça tombe en panne. On a introduit le guide de dépannage sur écran, mais ça a obligé à passer à une autre conception du guide de dépannage. Ce n'est plus un tournepage, c'est vraiment une conception totalement intégrée au fonctionnement de l'engin. Les essais de frein, la présentation des défauts, les alarmes, le service agent seul aussi, qui trouve une solution élégante, et puis l'ouverture à l'introduction de l'ERTMS et la conduite vers l'étranger, et la boîte à levier virtuelle qui a retrouvé sa place en haut, à droite, sur les pupitres. Voilà, donc pour terminer, une ambiance de cabine de conduite à la sortie de Montparnasse. Donc c'est une locomotive de banlieue, vous voyez, c'est pur, le mécanicien a de la place pour mettre ses documents devant lui s'il le souhaite. Ça, c'est une vue de simulateur où vous retrouvez tous les éléments qui sont repérés. Donc, c'est une 26 000. Donc, conduite à gauche encore, mais quelque chose d'assez pur au niveau de la présentation. Et puis, on passe maintenant à la cabine moderne, la BB 27 000, où vous avez une tablette pour le mécanicien devant lui. Alors, c'est la plus simple, celle-là. Bien sûr, en format banlieue, il y a un écran supplémentaire pour pouvoir avoir les informations voyageurs. Mais autrement, vous voyez qu'on arrive à quelque chose d'assez simple. Et alors, le grand espoir qu'on avait, voici la petite sœur diesel s'est assimée prendre une cabine de conduite électrique, ou presque. La présentation est la même. Donc, on avait réussi l'introduction à la banalisation complète des conducteurs, si on le souhaitait. Conclusion, pour moi, ça a été une période relativement courte, puisque j'y ai passé deux fois un an, mais prolifique. On a, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres attractions, fait beaucoup de choses différentes qui ont montré qu'elles marchaient. On a pu, Daniel Brun vous parlera de l'Eurostar, travailler avec les Anglais aussi pour concevoir la cabine de conduite, le mode de conduite, les langues, première fois où on était confronté à l'utilisation des langues à l'étranger. Enfin, tous ces éléments-là ont pu être débattus à cette époque-là et mis sur place, et ce sont des choses qui durent encore, ce qui laisse à supposer qu'on ne s'était pas trop trompé. Beaucoup d'idées ont été lancées, ont été débattues, les appels aux ergonomes, aux sciences humaines en général, ont forgé ce qui servira de base à la conception des cabines des engins à venir en 90 et qui sont en service aujourd'hui. Des idées ont été abandonnées, certes, mais après tout, qu'est-ce qu'elles auraient apporté? On ne le sait pas.
Au bout du compte, des améliorations certaines favorablement accueillies par les conducteurs qui avaient été associés au groupe de travail et même dans d'autres groupes de travail qui avaient été montés justement pour modifier le mode de management de la traction. J'ai été et je suis encore heureux et fier d'avoir initié et participé à ces réflexions et d'en avoir mené certaines à leur terme. Ce fut une grande période d'enrichissement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Ligne, pour cet exposé. Nous allons tout de suite enchaîner avec la communication de Daniel Brun. Donc, comme l'a dit Francis Bossir tout à l'heure, Daniel Brun, FICAP supérieur à la SNCF, est retraité du matériel et va donc vous parler des cabines de l'Eurostar. Alors là, Cécile, si, juste, Cécile, Georges, juste une petite parenthèse. On a entendu parler de la Suède et du Japon, et je dirais que là, on va encore élargir avec les chemins de fer belges et les chemins de fer britanniques, ce qui permettra peut-être tout à l'heure une conversation sur les différences culturelles aussi, qui sont bien abordées dans l'exposé absolument passionnant qu'on vient d'entendre. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, c'est pour vous montrer que je suis. Alors, je dis bonjour à tout le monde, y compris, j'ai observé que dans les participants au colloque, il y a un certain nombre de mes anciens amis rencontrés au temps de ma carrière et à l'époque où je me suis occupé de la rédaction de la Revue Générale des Chemins de Fer. Et donc, je salue tout le monde. Et donc, je vais faire un petit exposé sur une période absolument extraordinaire de ma carrière, puisque j'ai eu le privilège d'être désigné par M. Lacôte, qui était directeur du matériel à l'époque, pour avoir la responsabilité technique de l'équipe des trois réseaux belges, britanniques et français qui ont participé à la conception des Eurostar. Alors, ce fut une expérience absolument remarquable et un élément, je crois, qui a fait que ça a été, à mon avis, un très grand succès, à certains égards, pas à tous, parce que rien n'est parfait dans ce monde. Je crois que, en particulier chez nos collègues britanniques, il y a eu une immense fierté à mettre en service des rames tout à fait originales et prometteuses d'un service tout à fait remarquable, puisqu'on arrive à faire Paris-Londres en à peu près 2 heures. Voilà. Donc, M. Ribeil et Mme Auchard m'ont fait mettre comme titre à cet exposé une cabine à la croisée de trois réseaux, BR, SNCB et SNCF. Alors, je vais juste corriger un tout petit peu, dans la mesure où, autant BR, c'était à bien des égards différent de SNCF, mais SNCB et SNCF, en réalité, les cultures sont assez proches, dans la mesure notamment où une partie du réseau belge s'appelait le Nord Belge avant la nationalisation, et c'était une compagnie Rothschild, comme la compagnie du Nord française. Voilà. Bon, alors après, comment on fait pour passer ici? Donc voilà, alors les rames, donc, je rappelle très brièvement, destinés en empruntant le tunnel sous la Manche au service à grande vitesse entre Londres et Paris ou Londres et Bruxelles. Donc initialement, elles étaient aptes à circuler sur la ligne à grande vitesse nord Paris-Lille et sa branche vers Calais, sur l'infrastructure classique dans les trois pays, dans le tunnel sous la Manche bien entendu, et ensuite sur la LGV qui était prolongée en Belgique de Lille à Bruxelles. Et puis quelques rames, j'en dirai un mois après, ont été modifiées et pour pouvoir aussi circuler sous le 1500 volts français de façon à permettre des liaisons entre Londres et la Savoie pour les sports d'hiver. Donc, la
priorité, c'était de respecter les indications données par les signalisations. Donc, sur NGV, dans le tunnel, il s'est trouvé, Eurotunnel a eu la sagesse de choisir un système qui avait déjà fait ses preuves et qui a en plus évité une transition, qui est donc la TVM 430, qui a été mise en service en premier sur la LGV Nord et qui a été donc transposée quasiment sans changement dans le tunnel. Et puis sur infrastructure classique, le KVB dont M. Vigne a dit un mot et la répétition de signaux traditionnels donc en France, l'AWS en Angleterre sur ligne classique et le système Nemor en Belgique qui ensuite s'est appelé ATB et TBL1 et TBL2. Donc, la conception de la cabine a été confiée à un groupe, le groupe de projet international qui a été constitué fin 86, je dis pas de bêtises, 86, pour spécifier les rames et en suivre la construction. On avait monté 7 groupes de travail spécialisés, partie électrique, bogie, captation, etc. Et un des groupes était dédié à la conception de la cabine de conduite. Et donc, il regroupait des représentants des services de la traction des trois réseaux et puis des techniciens compétents, notamment de la direction du matériel SNCF du département construction. Donc l'objectif assigné était d'obtenir un consensus sur la disposition des commandes que les conducteurs auraient à utiliser en minimisant les difficultés d'acquisition de réflexes et les bonnes pratiques au cours de leur formation. C'était tout particulièrement le cas, bien sûr, pour les Anglais et les Belges, puisqu'il n'y avait pas de TGV chez eux avant. Donc, la priorité a été d'essayer de concevoir une cabine aussi ergonomique que possible, en cherchant la simplification du travail du conducteur. Les rames étaient très compliquées, il fallait essayer de minimiser quand même les interventions du conducteur dans des domaines où des automatismes pouvaient le faire. Le maximum de confort postural. Alors, la nouveauté, mais je crois qu'en réalité, si ma mémoire n'est pas défaillante, ça a été la position de conduite, puisque les Eurostars ont été les premiers trains où on est passé à la cabine centrale. Donc, traditionnellement, la place du conducteur en France, y compris sur les TGV, jusqu'à l'Atlantique et même au rame réseau, c'était la conduite à gauche. Donc, c'était une pratique qui était un héritage, si on peut dire, en particulier de l'existence, enfin de la présence en cabine d'un deuxième agent qui a été longtemps obligatoire. Et puis, elle n'avait, en fait, ce deuxième agent ayant disparu, ça n'avait plus vraiment de justification. D'autant que ça a été également évoqué brièvement, la banalisation des voies, qui est devenue assez courante, même sur ligne classique, rend assez fréquente la circulation à droite, alors que les trois réseaux avaient la conduite à gauche. On a évoqué avant-hier les Allemands qui ont toujours eu la conduite à droite, mais les Français, les Anglais, les Belges, on a hérité ça d'ailleurs des Anglais, c'était la conduite à gauche. Donc voilà une photo d'une cabine traditionnelle, si j'ose dire. C'est une 4400 kW, une 15000 ou une 22200. Donc pupitre à gauche, un siège relativement confortable, mieux que les strapontins et autres des époques précédentes. Donc, la décision prise pour passer à la cabine centrale a été liée en partie au problème du tunnel.
on souhaitait une cabine étroite pour réduire la résistance aérodynamique, donc un nez entre guillemets un peu pointu de la rame, et puis un aspect qui a été évoqué par le designer des cabines d'ailleurs, qui était d'essayer de limiter les effets de clignotement. Il y a les segments qui constituent le tunnel ont des limites, tous les je sais pas combien de mètres, et ça fait un effet répétitif sur la vision qu'on souhaitait limiter. Donc, résultat, cabine étroite à position de conduite centrale face à un pare-brise relativement étroit, et en grande partie, ça a été la proposition du designer de la forme extérieure des rames, la société Jones Garrard anglaise. Et donc, voilà ce que ça donne. Tout le monde connaît l'Eurostar sous cette forme, donc comme vous le voyez, le pare-brise est très étroit, mais c'est voulu. D'ailleurs, il y a besoin d'un essuie-glace. Alors, disposition des commandes ensuite et des indicateurs. Donc, il y a eu un consensus absolument immédiat, nos collègues, nos amis britanniques y compris. Conception générale, nature du service et conception des rames, inciter à se rapprocher autant que possible des postes de conduite des TGV. Alors voilà une cabine de TGV Atlantique, donc à gauche. Voilà ce que ça donnait à l'époque. Et donc, on s'en est inspiré, mais comme vous allez voir, il y a quand même des différences assez sensibles. Donc, première difficulté, la commande de frein automatique combiné, qui est électrique sur les bogies et moteurs et pneumatique sur les autres. Parce que habituellement, l'action sur le levier de frein à axe horizontal et qu'on manœuvre d'avant en arrière, dans la plupart des réseaux, en tirant, on actionne le frein et en poussant, on défreine. C'est un héritage des calèches et de l'utilisation des chevaux. Instinctivement, pour freiner un cheval, on tire sur les rênes. Et nos collègues britanniques ont dit « on a un problème, chez nous c'est l'inverse. On pousse pour freiner et on tire pour défreiner. » Alors on a tout de suite dit « écoutez, le levier de frein et le frein, c'est un dispositif sécuritaire et il est impensable d'avoir un système qui marche dans un sens dans un cas et dans l'autre sens dans l'autre suivant la nationalité du conducteur. Ça serait tout à fait dangereux et on n'en veut pas. Et donc nos collègues britanniques ont dit nous sommes contre le restant du monde ou à peu près. Et donc, les conducteurs britanniques d'Eurostar seront pas des novices, mais des gens vraiment spécialement formés pour ça. Et donc, ils ont donné immédiatement leur accord pour se ranger à la disposition, entre guillemets, continentale. Alors, par contre, on a ajouté une innovation des dispositions en vigueur au BR où le manipulateur de frein comporte une commande de freinage à fond. J'ai mis d'urgence le terme à la réflexion n'est pas complètement exact, c'est plutôt un freinage à fond. Et donc tiré à fond, le manipulateur commande une vidange profonde de la conduite générale à une pression résiduelle de 3 bars. Alors ce manipulateur original a fait l'objet d'essais extrêmement prolongé sous la surveillance très vigilante de mes collègues freinistes du département construction de la direction M. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ce levier sur le pupitre, donc avec les positions en avant et en arrière, et cette position marquée SOS, donc tirée à fond vers l'arrière, on fait descendre la conduite générale à 3 bars.
Alors, le freinage d'urgence pneumatique en vidange totale est classiquement commandé par un coup de poing. On n'a pas innové dans ce domaine et tout le monde était d'accord pour mettre cette commande, bien entendu. On y ajoute une commande de frein direct de la motrice seule qui est indispensable pour permettre sans difficulté des manœuvres d'accostage de la motrice sur la rame, en atelier en particulier. Donc, la photo est un peu sombre, je vous prie de m'en excuser, mais vous voyez ici la commande de frein direct et là, le coup de poing d'urgence en rouge pour que ça se voit tout à fait bien. Alors, un sujet délicat, ça a été assez amusant, ça a été le manipulateur de traction. Parce que traditionnellement, à la SNCF, c'est un volant. C'est d'augmenter l'effort de traction par des impulsions. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente la traction et on le réduit dans le sens contraire. Et probablement, je n'ai pas vérifié à fond, mais c'est un héritage de la commande des crans de traction, des machines à courant continu et même des machines à graduateur en 25 000 volts, où on éliminait le rheostat par cran et où on montait les crans du graduateur avec ce volant. Une cabine assez ancienne, c'est une cabine de BB 9200, donc vous voyez un volant contourné pour passer les crans. Et, entre parenthèses, avec également à côté un robinet de frein H7 tout à fait traditionnel. Donc, voilà ce que ça donnait sur un TGV Atlantique, par exemple. Vous avez donc un cerclot contourné dans ce sens pour augmenter la traction par impulsion et dans l'autre pour la réduire. En dessous, il y a le cerclot de Vacma, j'en dirai un mot plus tard. Donc, alors, nos collègues britanniques ont tout de suite dit « Non, ce machin est complètement ringard, on n'en veut pas. » D'autant que l'Eurostar, c'est quand même quelque chose d'original et de moderne. Alors, mes collègues français de la traction ont un peu résisté. Bref. Et puis, finalement, ils ont accepté la disposition qui a été adoptée. Donc, c'est un levier qui est poussé vers l'avant, permet donc d'augmenter l'effort de traction. Et quand on le tire vers l'arrière, eh bien, on la réduit. La commande est donc par impulsion progressive avec des positions extrêmes commandant progression et régression rapide. Alors, il est doublé, c'est-à-dire qu'il est à gauche et à droite du pupitre pour des raisons d'ergonomie, pour que le conducteur puisse choisir le moment, enfin, de changer de main s'il en a envie de temps en temps. Alors, le levier de droite est complété d'une molette qui permet le réglage du dispositif de vitesse imposée, qui a été bien entendu mis sur les Eurostars comme sur tous les TGV. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ce levier ici, donc, qui est celui de droite. Le celui de gauche, on le distingue à peine, je suis désolé, la photo est un peu sombre, mais on le voit un peu. Et en réalité, c'est un axe entre les deux. C'est une tige, il n'y a rien. C'est complètement mécanique entre les deux leviers. Et puis, donc, vous voyez le bouton de réglage de la vitesse imposée. Et donc, sur une espèce de partie surélevée qui comporte quelques commandes et qui permet au conducteur de déposer ses documents réglementaires et de conduite. Alors, du coup, je ne sais pas bien comment on revient en arrière, mais donc, il n'y a plus de cerclot sous le volant des engins SNCF, cerclot qui était donc une manœuvre mécanique, si j'ose dire, et qui après est devenu, comme M. Vigne l'a expliqué, un système à touche. Donc, il a fallu faire autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà le cerclot du TGVA. Donc, le conducteur doit soulever en serrant sa main sur le volant et périodiquement relâcher. Et donc, il est remplacé sur les Eurostars par deux boutons situés de part et d'autre
du porte-document que je vous ai montré sur une photo précédente. Alors, il est complété par deux pédales, comme sur beaucoup d'engins, pour, là encore, permettre au conducteur de reposer ses mains de temps en temps et se servir de ses pieds pour manipuler l'avancement. Alors, initialement, à l'initiative des Belges, qui avaient cette disposition, le pédalier était à trois positions. Il y avait une position médiane de repos, en le soulevant, on faisait une manœuvre et en l'appuyant, on en faisait une autre, mais ça a très mal marché et on a abandonné cette disposition par la suite. Et donc, il y a eu une nouveauté, un peu imposée par le fait que la cabine était centrale, c'est qu'on a rajouté deux boutons permettant d'actionner l'avancement pour permettre au conducteur de se rapprocher des baies latérales ouvrantes lorsqu'il avait besoin de regarder dehors. On ne le voit pas très bien, je suis désolé, là encore la photo est sombre, là, mais voilà le fameux bouton qui est devant le manipulateur et il y a le même à gauche. Alors, la commande d'inverseur, au lieu d'être une commande horizontale, enfin axe vertical, poussé vers l'avant, on va devant et vers l'arrière, on actionne les inverseurs. Alors là, c'est aussi un manipulateur, un levier manipulable d'avant en arrière. Vous le voyez ici, il est là. Voilà, donc c'est relativement plus... comment dirais-je, c'est plus intuitif comme manœuvre. Alors, les commandes par interrupteur ou bouton, il y en a évidemment d'assez nombreuses, comme vous allez le voir, et elles ne sont pas fondamentalement différentes des commandes habituelles sur les TGV en particulier. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour fermer, ouvrir les disjoncteurs, mettre en service les compresseurs, etc., etc. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails parce qu'il n'y a rien d'original en matière d'ergonomie à ce propos. Et pour l'essentiel, ils sont rangés dans l'équivalent d'une boîte à levier que le conducteur met en service avec un bouton amovible à deux positions situé à la droite de la boîte à levier. Alors, ce bouton est enlevé, retiré quand la cabine n'est pas en service, de même que c'était le cas avant avec l'espèce de clé de boîte à levier qui était plus encombrante. Comme vous allez voir, après sur une photo, il est assez petit ce bouton. Alors on trouve aussi des commandes qui sont en dehors de la boîte à levier, celles qui ne sont pas essentielles en matière de traction ou de sécurité. Et donc on trouve par exemple des commandes d'essuie-glace normales et de secours. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait qu'un nom, il est doublé pour avoir un secours. La glace, l'éclairage de la cabine ou du pupitre, commande des trompes, bouton d'acquittement des signalisations restrictives, signalisation de détresse, faire le clignotement des phares, ouverture et fermeture des portes quand elle est condamnée par le conducteur, etc., etc. Alors, une originalité, c'est que M. Vigne l'a très brièvement évoqué déjà, on avait un problème de langue. Sur les engins français, traditionnellement, il y a une petite explication sous chacun des boutons qui dit à quoi il sert. Et là, on n'allait pas s'amuser du fait en plus que, compte tenu de la présence de conducteurs néerlandophones en Belgique, il aurait fallu mettre des indications en trois langues, ça aurait été beaucoup trop encombrant et impraticable, voire illisible. Donc, ce qu'on a fait, alors là, on a vraiment utilisé nos collègues belges à fond, qui en avaient déjà l'habitude, pour leur cause de deux langues, précisément. Et donc, ils ont, avec l'aide de leurs collègues français et anglais, bien sûr, mais enfin, l'animation du sujet a été vraiment confié aux responsables belges dans notre groupe de travail. Donc, ça s'est tout remplacé par des pictogrammes
qui donc s'inspire complètement de l'expérience et de l'expertise de nos collègues belges. Alors, c'est plus ou moins explicite à mon point de vue, parce que je ne suis pas tractionnaire, mais en tout cas, ça a l'air d'être très... ça a été parfaitement accepté. Et voilà. Donc, voilà la boîte à levier. Voilà son petit levier qui en commande l'ouverture et la fermeture. Et puis, vous voyez là les commandes essentielles. Vous voyez là l'histoire, la mise en service des disjoncteurs et leur ouverture et leur fermeture. Là, c'est les compresseurs, etc. etc. Donc, c'est complètement inspiré. C'est l'évolution de la technique a fait que les interrupteurs sont d'un volume moins encombrant que par le passé, mais c'est tout à fait classique et traditionnel. Alors, une particularité importante, c'est ce qu'on a appelé le sélecteur d'administration. Alors, c'est un bouton rotatif qui commande, je dirais, de façon complète et automatique, la configuration des équipements de traction et la mise en service des systèmes de signalisation. Donc, c'est une commande unique, ce qui, du point de vue de l'ergonomie et du risque d'erreur, est évidemment la meilleure solution. Donc, ce bouton comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et même après une huitième position, comme je vous l'ai déjà dit, qui a été ajoutée. Donc, dans l'ordre, BR courant continu, où on se servait initialement des patins, BR courant alternatif, au cas où on serait allé, on aménageait l'avenir, et BR-LGV, là encore, on aménageait l'avenir. Nos collègues à l'époque, Madame Thatcher, étaient résolument opposés à, enfin, disons, a voulu limiter au maximum les investissements et pas de ligne nouvelle en Angleterre, mais c'était quand même déjà dans les tuyaux. Donc, on avait prévu une position BR, ligne à grande vitesse. Ensuite, il y a une position Eurotunnel, bien sûr, une position unique SNCF et SNCB, ligne à grande vitesse, une position réseau classique 25 000 volts et une position classique SNCB en 3 000 volts. Alors donc, comme je l'ai dit, une position 1500 volts SNCF a été ajoutée pour permettre la circulation sur le 1500 volts SNCF pour aller en Savoie. Alors, ce bouton, comme vous allez le voir sur la photo, est complété à sa gauche par le bouton qui commande la mise en service des pantos et des patins de captation sur le troisième rail 750 volts qui était nécessaire à l'origine. Avec donc un coup de poing au-dessus du bouton pour permettre la descente des pantos ou le relevage des patins en urgence. Alors, oui. Monsieur Brun, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, je ne suis pas horairiste à la SNCF, mais j'ai la charge ce matin de veiller également au respect du programme. Là, vous avez bien dépassé. Alors, on a un peu de détente, si je puis dire, puisqu'on n'a que trois exposés ce matin. Oui. Et je pense qu'il faudrait quand même envisager de terminer dans 5, 7 ou 8 minutes pour puisse avoir un petit moment pour discuter. Avec vous. Ça va aller vite. Alors, il y a une disposition évidemment nécessaire, qui est le bouton d'acquittement du franchissement des signaux. Donc, comme je vous l'ai dit, la commutation, il est unique. C'est pareil pour qu'il n'y ait pas de risque d'erreur de la part des conducteurs. Donc, il se met en service automatiquement. Oui, je rappellerai, excusez-moi. Donc, il est unique et il se met en service automatiquement par le sélecteur d'administration. Alors, le fameux sélecteur d'administration, vous voyez là, avec ses positions, BR, patin, etc., j'abrège, et puis là, le bouton de commande de lever des pantos ou d'abaissement des patins, et avec son coup de poing rouge
pour la commande d'urgence. Alors, ensuite, donc, voilà le bouton d'acquittement qui a été peint en jaune exprès pour qu'il se voit bien. Et puis, indicateur et voyant, tout ça, c'est largement inspiré des dispositions prises sur les TGV de l'époque. Ça s'est beaucoup modernisé maintenant à coup d'écran. À l'époque, on n'avait pas. On avait donc les casiers à glaçons, comme les appellent les conducteurs, pour la TVM. On a, avec des indications complémentaires ajoutées plus tard, pour le franchissement des repères, etc. L'indicateur de vitesse qui est situé juste en dessous, des pictogrammes de signalisation de défaut, les indications du KVB, ce que les Anglais appellent le sunflower, le tournesol de l'AWS. Alors, il aurait dû être placé à côté du panneau de KVB, mais on n'a pas pu, il n'y avait pas la place. Donc, ce système, c'est un voyant noir, circulaire, vous allez voir, à voie libre, il est complètement noir, et quand on franchit un signal restrictif, il présentait une alternance de secteurs noir et jaune. Alors, la répétition de signaux, SNCF n'est plus appuyé d'un signal sonore à la voie libre. Par contre, ça reste indispensable en AWS compte tenu de les dispositions techniques de ce système. Le voltmètre ligne, alors, il ne présente pas d'indication chiffrée parce qu'avec les 25 000, 3 000, 1500, 750, ça aurait été très compliqué. Donc, on a simplifié. Il y a un secteur vert quand tout va bien. En jaune, c'est un peu faible. Et en rouge, c'est qu'il n'y a plus de tension. Pareil, l'ampèremètre, c'est une indication simplifiée, comme vous allez le voir sur la photo après. Donc, voilà les casiers à glaçons, l'indicateur de vitesse en dessous. Voilà le KVB, tout à fait conservé, sans disposition particulière. Et voilà le fameux voyant d'AWS British, le voltmètre ligne et l'ampèremètre. Donc, vous voyez, vert, jaune, rouge, et puis plus ou moins de traction et plus ou moins de freinage. Donc, des équipements complémentaires. Le guide de dépannage informatisé, qui est trilingue, ça a été quelque chose de tout à fait remarquable à mon point de vue. La radio sol-train, alors pareil, on a essayé de simplifier. Il y a heureusement un poste dit international qui est utilisé en France, dans le tunnel et en Angleterre. En Belgique, il faut un deuxième poste parce que la radio assure des fonctions liées à la signalisation. Alors, il y a un interphone spécial pour les manœuvres de sécabilité, disposition imposée par la commission de sécurité, qui l'expérience a montré que c'était quelque chose de fort compliqué et qui en fait n'avait pas d'utilité dans la mesure où c'était prévu en cas d'incendie pour évacuer, en cas d'incendie dans le tunnel, pour évacuer une partie seulement de rame en cas de besoin. Et en réalité, les deux incendies qu'il y a eu dans le tunnel ont montré que la première chose qui disparaît quand il y a un incendie, c'est la tension parce que la caténaire fond. Donc, il n'y a plus moyen de partir. La seule manœuvre raisonnable en cas d'incendie, c'est celle qui a été adoptée avec un plein succès, c'est d'évacuer en urgence dans la galerie de service. Résultat, zéro blessé, zéro mort dans les deux cas. Alors, voilà donc, très rapidement, les deux radios, la radio belge ici, la radio internationale ici, et le fameux interphone sécabilité. Voilà, donc, conclusion que j'en ai tirée, c'est une cabine qui a été le résultat d'une collaboration absolument exemplaire, de gens qui étaient vraiment animés du souci d'aboutir, et en plus, il a fallu faire en très vite le délai qu'on avait pour spécifier, compte tenu des retards pris, etc., a été l'objet, on a réussi à faire quelque chose de quasiment complet en à peu près 3 mois. Et donc, voilà le résultat, je vous montre la cabine en entier après.
Donc, avec, il y a eu une rénovation en 2014 sous l'égide d'Eurostar. Et donc, le siège d'origine a été remplacé par un siège plus confortable, encore que le premier n'était pas si mal, mais enfin bon. Et la cabine, initialement peinte en bleu, a été repeinte en gris. Donc, voilà. Voilà une vue du pupitre dans son entier. En voilà une deuxième. Et donc, les représentants de l'attraction, à mon avis, peuvent avoir la fierté supplémentaire de constater que beaucoup de matériel récent reprennent des idées mises en œuvre sur les TMST, évidemment avec des adaptations quand elles sont nécessaires, et les innovations permises par l'évolution des techniques, en particulier l'apparition d'écrans. Alors, je vais en donner quelques exemples. Les rames E320, les nouvelles rames Eurostar. Donc, vous voyez, il n'est pas question de volant, ni le levier de frein est à gauche normalement, comme, etc. Ça s'en inspire quand même un peu. Là, un cas où alors vraiment on s'en inspire beaucoup, c'est la cabine du duplex, où vous voyez exactement la même disposition reprise des Eurostar. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'adresse des remerciements tout particulier à M. Reuillet, à M. Phil Bassett et à M. Radley, qui ont été les trois animateurs tractionnaires du groupe que j'ai évoqué et avec lesquels j'ai pu remettre au point cette présentation. Je tiens à souligner que, alors que nous sommes plus de 35 ans après, on continue, le Covid nous en a empêchés, mais dès qu'on pourra, on se réunit une fois par an avec les membres encore vivants de ce groupe. Malheureusement, on vient d'apprendre le décès d'un, de l'un d'entre eux. Et c'est pour vous dire à quel point les relations ont été chaleureuses et efficaces. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors, il sera mis en ligne un petit peu plus tard, hein, comme tous les autres, comme le rappelait tout à l'heure Cécile. Il y a 24 personnes spectatrices et puis il y a évidemment toutes les personnes, tous les organisateurs, Georges peut-être, et puis ensuite je crois qu'il y a un moment d'échange là qu'on pourrait développer à propos des deux exposés. Peut-être Georges, tu souhaites reprendre un peu la parole. D'accord, je commence à lancer le débat. Alors d'abord, on est très content d'apprendre que les années 90, la SNCF, à travers l'Eurostar ou l'entreprise de confort de la cabine, a été une période, je pense, très importante dans un contexte important. Est-ce qu'il y a aujourd'hui autant d'intérêt, de préoccupation pour ce confort toujours améliorable, hein? Ça me paraît important. On est très content d'avoir donc deux acteurs qui ont contribué chacun dans leur coin à vraiment faire, on voit bien, à innover beaucoup finalement, hein, avec tous ces petits détails très intéressants. Alors moi, de l'exposé de Pierre Vigne, j'ai retenu rapidement lorsqu'il évoque qu'entre Cahors, Brive, on s'amuse à dormir tout en ayant bloqué la vague. Je pense à Charles Labo que j'évoquais hier, qui était un habitué de cette ligne-là, et qui, je pense, aurait confirmé que pratiquer ce sommeil à demi-automatique en manipulant pas la VACMA, sauf voilà, au cours d'une espèce de rêve éveillé. On l'a manipulé. Et oui, enfin, on l'a manipulé, oui, mais on l'a tout en dormant. Voilà. D'accord. Bon, il était tout à fait. Alors, tu vois, qui m'a paru intéressant, ce que tu as évoqué, qu'au fond, ça me paraît intéressant. Tu dis à un moment donné, on ne recrute plus des électriciens, on recrute des boulangers. On a compris que ça signifie que c'est toute une révolution dans la connaissance scientifique de la machine. Longtemps, avec les fameux traités de la machine de Sauvage, 10 éditions, on dit au bon mécanicien, tu dois savoir comprendre comment marche ta locomotive. Bon, là, depuis longtemps, et avec cette, comme tu l'as dit, en résumant la forme des boulangers qui arrivent, on ne leur demande pas du tout de compétences mécaniques, électriques, etc. Bon, donc, ils sont des presse-boutons, et ça a été perçu parfois un peu péjorativement, hein, on devient des presse-boutons et non plus des mécanos électromécaniciens. Ce qui me paraît, on l'a évoqué hier, alors ce qui était intéressant, c'est de voir quand même l'importance des traditions suédoises,
Et là, on aimerait en savoir un peu plus sur l'héritage technico et culturel de ces pratiques en Suède, qu'est-ce qu'ils expliquent, etc. Ça, c'est très important. À plusieurs reprises, tu as évoqué les spécificités qui sont complètement antinomiques avec les traditions culturelles. Alors, ma dernière question très simple, on l'a évoqué hier, au fond, en portant tant d'attention à l'ergonomie de la cabine, à la symétrisation ou la latéralisation, est-ce que, une fois de plus, lorsqu'on embauche un conducteur, est-ce qu'on distingue un cocher d'un droitier? Donc, ça, c'est des questions. Alors, à M. Daniel Brun, je trouve intéressant dans l'exposé de Daniel Brun, c'est-à-dire, d'abord le fait qu'il a évoqué pour la première fois un designer qui contribue positivement à éviter cet effet on voit très bien ce qu'il veut dire. Hein. J'ai appelé ça clignotement, faute de trouver un meilleur mot. On comprend enfin pourquoi cette baie vitrée est finalement assez étroite. Alors là, c'est intéressant de voir un ergonome qui apporte quelque chose. Un designer qui fait un peu d'ergonomie. Voilà. Hein, de manière positive. Parce qu'au fond, moi, je tendance à dire que le designer est parfois antinomique de l'ergonome. Alors, vous aviez évoqué quelque chose que hier, j'avais battu. Vous avez évoqué le freinage, les deux sens de variation sont au travers de l'autre côté de la manche de ce côté, et vous avez évoqué le fait qu'au fond, ben, tout ça, on comprend que dans la tradition héritée, à partir du moment où on tire les rênes d'un cheval, pour le freiner, on tire vers soi. Donc du coup, ça contredit le fait que cette explication anthropométrique, vue par les Français, avancer l'argument de pour freiner un cheval, on tire les rênes vers soi, elle est aussi vraie en Angleterre. Et donc, elle ne permet pas de comprendre pourquoi en Angleterre, inversement, freiner, on pousse en arrière, ou l'avant. Donc, l'argument culturel, comme l'a évoqué hier, il n'est pas une explication, c'est plutôt une question. Et cette question reste posée, pourquoi en Angleterre, effectivement, depuis la nuit des temps, vous l'évoquez, la manipulation est complètement antinomique du cas français. J'ai eu juste une dernière... une question très simple, c'est... puisque Eurostar circule longuement dans des phases en plein air et puis des phases longues en tunnel, qu'en est-il de l'éclairage interne de la cabine? Est-ce que le mécanicien est dans le noir complet? Est-ce qu'au fond... Quel est entre la conduite de deux jours et dans le tunnel qui est long, qu'en est-il de la visibilité, de l'éclairage interne de ces manipulations, de ces manipulateurs, boutons, écrans et autres? Il est dans le noir ou pas? À mon avis, oui. Je pense, très sincèrement, je n'ai pas la réponse. Il faudrait qu'un tractionnaire assistant au colloque puisse donner la réponse. À mon avis, on reste dans le noir. Les commandes sont à la main, si j'ose dire, celles qui servent. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir besoin d'éclairage, d'autant que le tunnel n'est pas dans le noir complet. Au moins besoin de phare dans le tunnel. Même si c'est un fanal, j'imagine qu'on avance, il pourrait y avoir un volet à la place de la baie vitrée, n'est-ce pas? On n'a rien à voir dans le tunnel. C'est les tuyaux? Non, effectivement. Alors, j'ai posé des questions aussi à Pierre. Alors, droitier-gaucher, non, on n'a pas fait d'études particulières sur le sujet. Les dispositifs en cabine, on les a maintenus. On a laissé le frein à gauche et la traction à droite. Encore quand on a été confronté à la circulation Hollande, on s'est aperçu que c'était le contraire. Tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir le manipulateur double droite-gauche qui permet d'uniformiser la conduite dans tous les pays. Mais non, on n'y a pas pensé particulièrement.
on a la culture héritée qu'on avait précédemment. Ce n'est pas qu'on néglige le fait d'être droitier ou gaucher, c'est que quand on apprend à servir d'une cabine de conduite, qu'on soit droitier ou gaucher, les instruments pilotent. Oui, mais du point de vue ergonomique, si on est droitier ou gaucher, en termes quand même d'aptitude à manipuler, je pense que ce n'est pas tout à fait pareil. Hein, voilà. Non, le droitier sait bien travailler côté traction, il est obligé d'apprendre à travailler côté freinage. Je ne sais pas si le gaucher est plus facilement freineur que tractionnaire. Je constate que 2 siècles de littérature sur les problèmes de conduite, on ne parle jamais de cette 10%, mettons, de Français, je ne sais pas quel est le pourcentage, de cette latérisation, voilà, de nos capacités manuelles. Voilà, c'est une remarque importante. Un impensé, Robin Fouque. Je peux intervenir sur la partie droite-gauche? Oui, oui. Bien sûr. Oui, bien, ce que je voulais dire, c'est en fait, il ne faut pas non plus se focaliser. Je rejoins Pierre Vigne quand il dit on apprend à se servir. En effet, j'ai une précision sur le sujet. Comme j'en ai parlé hier, d'un manipulateur de traction qui avait été imaginé après que Pierre Vigne a quitté la direction de la traction, un manipulateur unique, traction-freinage, qui comportait le freinage électrique, le freinage pneumatique et la traction, qui a été développé donc, avec des ergonomes de Sévenance, de l'Institut technique de Sévenance et la direction de la traction. Et j'avais été très surpris parce que à la direction de la traction, le principal instigateur, Jean-Pierre Loracker, pour ne pas le nommer, est gaucher. Et je lui dis, mais tu nous affiches un manipulateur à droite et tu ne vas même pas doubler. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il était gaucher. Il m'a dit, en quoi veux-tu que ça gêne un gaucher de travailler avec un manipulateur qui est pratique? On a fait l'essai, on a fait les deux, et moi je l'utilise d'un côté ou de l'autre. Donc ça m'a rassuré sur le fait que ce n'était pas très important. On a beaucoup d'autres exemples, en effet, comme je le disais hier, sur les pupitres à droite, dans les pays où on conduit généralement à droite, les conducteurs manipulent le frein à droite, alors qu'ils sont droitiers, et nous, on manipule le frein à gauche, alors qu'on est aussi à 80 et quelques pourcents droitiers. Il ne semble pas qu'il y ait quand même de très gros inconvénients. Quand les gens prennent un véhicule, une voiture en Angleterre et se retrouvent avec des commandes inversées, ils restent droitiers ou gauchers, et tous ceux qui l'ont fait, je n'ai pas cette expérience, n'ont pas dit qu'ils étaient gênés. Voilà, il faut bien voir que ce ne sont pas des commandes qui sont avec des gestes complexes. Et moi, par exemple, je suis droitier, mais j'ai beaucoup de mal à manipuler un H7A de la main droite, parce que j'ai appris toujours à le faire de la main gauche. Voilà, donc, je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Et le doublement des commandes, que ce soit sur Eurostar ou sur Duplex, avec un manipulateur de traction à droite ou à gauche, qui existe également sur des automatrices de banlieue ou autre, ce n'est pas tellement pour faciliter le travail d'un droitier ou d'un gaucher, que c'est important, mais c'est surtout pour manipuler une autre commande en même temps. Par exemple, quand on a besoin d'acquitter un signal, c'est avec la main droite, le bouton est à droite, et bien on va pouvoir manipuler le manipulateur de traction avec la main gauche tout en acquittant, ou pour siffler par exemple, ce qui évite de doubler toutes les commandes. On peut utiliser la main droite ou la main gauche. Et c'était l'intérêt du manipulateur sous forme de volant, c'est qu'on pouvait là aussi utiliser la main droite ou la main gauche. Tous les ergonomes savent aussi que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir changer de position. Et donc la recherche de la position parfaite avec la commande qui est exactement au bon endroit, en fait c'est un peu un leurre, parce qu'au bout de 2 heures, on aura besoin positionner autrement. Voilà, je ne vais pas insister plus longtemps. Pardon ? Ne pas oublier les questions posées à l'écrit. Oui, il y a une question. Oui, Cécile, je t'en prie. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, je la lis ou tu la lis, Francis, comme tu veux. Écoute, continue, vas-y. Alors, il y en a une un peu plus tôt dans la matinée d'un spectateur qui demande quels sont les apports de l'ERMTS selon vous à la conduite. Alors, je n'ai pas vécu la mise en œuvre, donc je ne voudrais pas me prononcer.
Et toujours pour vous, Monsieur Vigne, donc Monsieur Vigne, lors de son exposé, a expliqué qu'il y a eu dans les années 90 une volonté de SNCF de faire évoluer le domaine de la traction. Or, il semble qu'il se soit heurté à des blocages des responsables financiers. Pourquoi n'est-on pas dans le quoi qu'il en coûte lorsqu'il s'agit d'investir dans le cœur même du métier de SNCF ? Quoi qu'il en coûte, c'est vrai. À l'heure actuelle, en période de pandémie, la SNCF, c'est quand même un peu une entreprise et elle a à gérer une enveloppe globale qui est fonction de ses recettes, fonction d'un certain nombre de subsides qu'elle reçoit de l'État, donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et en conséquence, il faut compter les sous. Et c'est tout à fait logique de savoir si on doit investir uniquement pour la conduite ou investir pour chacun des services de la SNCF. Donc, la conduite, ben, elle était comme les autres, elle présentait ses projets, certains étaient acceptés, certains étaient refusés ou reportés. Donc, ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé des problèmes qu'on a pu avoir avec les financiers, en particulier pour l'agrandissement des cabines ou la mise en place de la climatisation, c'est des réactions qui me semblent tout à fait logiques pour un financier qui serre les écrous. On a la climatisation maintenant à bord des cabines de conduite et ça ne pose plus aucun problème. Alors, ce que je n'ai pas dit dans mon exposé, c'est qu'on a bénéficié de la mise en service du tunnel sous la Manche avec des 22 200 modifiés, puisque les locomotives que commandait la société qui exploitait le tunnel sous la Manche n'avaient pas ses premières locomotives au début. Et donc, on lui a loué des machines, mais ils ont exigé la climatisation. Donc, on a mis des climatisations plus ou moins verrues sur le toit de la cabine. Et ça a permis de voir que c'était quand même relativement bien confortable pour le conducteur. C'est une idée qui a fait son chemin et qui a permis d'enlever le morceau par la suite. Pour la symétrisation de la conduite, c'est pareil. Nous avions de très bons arguments ergonomiques, disposition des cabines, la place que ça dégage à droite et à gauche. Ça n'a pas pesé, mais on a trouvé un argument implacable du point de vue financier. Il fallait faire moins de bruit, donc il fallait symétriser les engins et tout un tas de choses. Du coup, c'est passé. Il n'y a pas à pleurer sur ce truc-là. On a obtenu ce qu'on voulait. Voilà. Alors, je rebondis sur cette question. Tu as évoqué les grands argentiers qui décidaient au sommet. Mais qui décident toujours. Qui décident toujours, oui, bien sûr. Mais pour moi, ce qui est un peu flou, c'est la frontière entre la direction de la traction, pour simplifier, et la direction du matériel, les constructeurs. Hein. Et autrement dit, alors moi, j'ai en tête quelques grands directeurs de la traction, hein, qui sont censés représenter un petit peu les intérêts de leurs conducteurs, de leurs troupes. Et du côté constructeur, je pense que la logique économique était très importante, plus peut-être que le facteur ergonomique. Et ça, ce sera à creuser dans nos recherches à venir. On a d'abord de nommer ces gens-là, hein, côté traction, je pense à des Danquan, etc. Bon, de rétablir un petit peu le poids de ces personnalités, les rapports de force qu'il y avait entre eux, leur capacité à porter auprès des argentiers un dossier collectif. Hein. Bon, et puis aussi, vous l'avez évoqué rapidement, bon, les syndicats ont pu parfois pousser dans un sens, je pense à la CFDT qui était à la pointe un petit peu de l'affection ergonomique, hein, un groupe de travail que j'ai connu. Voilà, et donc, ça sera à préciser un petit peu, on l'a évoqué avec Francis, de pointer un petit peu quelques noms qui ont facilité ou freiné les choses. Hein. Je pense que d'un directeur à l'autre, il y a des penchants plus ou moins forts en matière du facteur humain. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour simplifier. J'active mon micro, vous m'entendrez mieux. Une question de Monsieur Bouvarel et puis de Robin Foot ensuite. Alors, deux remarques et une question. La première remarque, c'est pour les grands argentiers. Je pense que je suis le dernier membre vivant au sens encore en service de l'ancien service des investissements. Nous nous préoccupions beaucoup des problèmes techniques au service des investissements, même si, alors, j'assume la totalité de l'héritage, même si nous avons été conduits historiquement pendant les 25 ans d'existence du service à refuser un certain nombre de sujets. Mais je me souviens des discussions avec Pierre Cerisier
sur les cabines de conduite. Alors, très, très vaguement, parce qu'à l'époque, je ne m'occupais pas des matériels roulants. Donc, ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, j'ai conduit une voiture en Irlande. Ce qui est très gênant, c'est que le levier de vitesse reste au même endroit. Si bien que la main gauche manœuvre à la fois le clignotant et le levier de vitesse, hein, et à la main droite, vous n'avez juste les essuie-glaces. Alors certes, il pleut souvent en Bretagne, mais en général, quand vous voulez tourner à droite ou à gauche, vous mettez votre clignotant avant et en même temps le levier de vitesse, et du coup, le volant à droite dans la conduite automobile est quelque chose quand même, à mon avis, de plus compliqué que le volant à gauche. Donc ça, c'était ma deuxième remarque. Je pense que dans les cabines de conduite, en fait, le problème, c'est de mettre des organes de commande à droite et des organes de commande à gauche, de façon que le mécanicien puisse utiliser assez facilement ces deux mains. J'ai utilisé le terme mécanicien et non conducteur, je passerai sur le commentaire que je pourrais faire là-dessus. Et après, une question, un sujet dont vous n'avez absolument pas parlé, alors c'était peut-être pas dans votre programme, la suppression de la répétition signaux ouverts, et le passage à la répétition optique. Donc ça, c'est une question ouverte. Je vous remercie et merci à Pierre et à Denis. Alors, la suppression de la... Bon, merci pour les remarques, hein, mais pour la suppression de l'acquittement des signaux ouverts, c'est suite aux remarques des ergonomes qu'on a fait ça. Pour les ergonomes, c'est le geste inutile par excellence. On a un système qui fonctionne, qui a une fiabilité donnée. Il n'y a pas de raison de rapporter une information complémentaire pour dire qu'il marche en demandant au conducteur d'appuyer quand on répète ce signal ouvert. Et ça permettait aussi d'alléger la conduite pour le mécanicien ou le conducteur, dans la mesure où ce geste étant supprimé, c'est un geste qui occupe beaucoup de temps. En fait, on franchit beaucoup plus de signaux ouverts que de signaux fermés à la SNCF. Les signaux fermés, il vaut mieux pas les franchir. Les signaux ouverts, on les franchit, donc pourquoi les acquitter? Voilà. Alors, ce qu'on nous avait répondu à l'époque, c'était pour vérifier la fiabilité du système. OK, quand c'était de l'électromécanique, à l'âge d'aujourd'hui, on sait faire des systèmes fiables suffisamment importants pour que ça dépasse largement le contrôle d'un homme de ce point de vue-là. Puis l'introduction du KVB permettait aussi d'avoir un étage supplémentaire de protection. Donc, on l'a allègrement franchi. Voilà. Je voudrais préciser quand même, attention, les signaux ouverts étaient répétés par ce digne. Mais n'imposait pas de geste au conducteur. Le conducteur n'avait pas besoin d'acquitter les signaux ouverts. En revanche, ce qui a été supprimé au même moment, c'est la vigilance du signal à distance, la vigilance à distance d'un signal fermé, hein, et qui a été remplacé juste par l'acquittement au passage du signal fermé. Ça, c'était un point important, puisque pour une vérification a posteriori, le mécanicien, pardon, mécanicien à l'époque, puisqu'on est encore dans les années au début des années 80, il doit vigiler, c'est-à-dire appuyer sur le bouton de vigilance. Cet acte est enregistré et il appuie avant de franchir le signal fermé. Au moment du signal fermé, qui déclenchait un klaxon en cabine, pour arrêter ce signal et éviter l'arrêt automatique du train, il réappuyait sur le bouton de vigilance. Ces deux actions étaient enregistrées. Au moment du passage de la répétition, au passage à la répétition optique, on a supprimé la répétition donc sonore du signal ouvert, on a supprimé la vigilance a priori du signal et on a maintenu l'acquittement au moment du passage du signal fermé. Cet acquittement permettant de dire à l'appareillage que le conducteur a bien vu le signal et qu'il le prend en compte pour éviter l'arrêt automatique. En sachant que les premiers essais de répétition optique avaient été faits, en particulier chez Vécus, sur les turbotrains RPG, étaient purement optiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une lampe placée bien dans le champ de vision du conducteur et absolument aucun son. Donc la lampe
s'allumait au passage du signal et on acquittait, sinon on avait l'arrêt automatique. Et l'objectif qui était vraiment, mais là vous pourrez aussi me contredire éventuellement, qui avait été vraiment donné à cette époque et qui faisait suite à pas mal d'études, c'était de dire que le défaut du signal sonore très fort retentissant au moment du franchissement d'un signal fermé, c'était réveiller en quelque sorte l'attention d'un conducteur qui n'aurait pas été très attentif et de le faire agir parfois à mauvais escient, alors que le principe de la répétition optique, l'attention n'était pas assez mise en éveil pour provoquer cet effet qui n'était pas souhaitable, et au contraire que seul un mécanicien pleinement attentif pouvait prendre en compte l'information et donc réagir correctement au signal. Il faut noter aussi qu'à l'RATP, c'est une solution très différente qui est utilisée. En fait, on doit toujours vigiler tous les signaux fermés. On doit donc les vigiler à distance pour dire « je le vois en avance » et que s'il n'a pas été vigilé, là, on a un arrêt automatique. Et c'est un système qui me semble aussi assez fiable et assez intéressant. Ce n'est pas celui qui avait été retenu à l'époque. Robin Foot, je crois que tu avais une question. Robin. Deux remarques. D'abord, je ne sais pas qui est intervenu sur l'atterrissage. C'est Jérôme Gallo ? Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la question que je m'étais posée sur le manipulateur sur les tramways, c'était simplement c'était complètement étonnant d'en mettre qu'un d'un seul côté, alors que les manipulations sont beaucoup plus fréquentes que sur un train ou sur un métro. Voilà. C'était ça pour moi le paradoxe. Et le fait. Voilà. Je crois qu'on a perdu Robin. Alors, en attendant de le retrouver, je voulais juste une remarque de Philippe Calais. Le TCS est un affichage en cabine qui ne diffère pas beaucoup de la TVM ou de la ETZB allemande. L'information essentielle est la, entre guillemets, voilà, distance à l'obstacle dans le sens le plus général du terme. Robin, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de. Ça y est, c'est bon. Voilà, donc c'était simplement pour dire que j'étais complètement d'accord avec ça et que ce qui me surprenait, c'est qu'on n'ait pas pensé des systèmes ambidextres sur les tramways ou des systèmes par pédale. Voilà, c'est ça qui m'intriguait. Une autre remarque sur la réflexion de Georges et de Pierre sur les explications a posteriori qui paraissent logiques et qui sont fausses, enfin, qui ne correspondent pas au réel. On a toujours tendance à trouver des rationalisations au dispositif. Et je trouve intéressant effectivement d'interroger le fait que la cabine va redevenir centrale pour des mauvaises raisons fonctionnelles, mais que ça aboutit à un bon résultat. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir retracer des processus dans lesquels on aboutit à un résultat qui paraît cohérent. Et en fait, le système de décision au regard de cette fonction est incohérent. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est des problèmes de bruit avec les riverains qui font qu'on a une solution ergonomique qui va passer. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que voilà, l'idée que parce qu'on a un bon argument, une bonne raison, on aboutit à un résultat optimum est souvent complètement illusoire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la remarque de Georges sur le fait que les chevaux anglais probablement s'arrêtent parce qu'on leur lâche la bride, et effectivement, pose sûrement un problème, je ne sais pas si c'est anthropologique, mais en tout cas est équilogique. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant de re-questionner ces explications admises. Enfin, juste pour Pierre, pour remémorer, pour réactiver des souvenirs, j'avais eu un souvenir qu'on avait vu ensemble une cabine de locofret dans laquelle il y avait des lumières de sensitive optique de VACMA qui étaient dans le plan horizontal de la tablette. Et j'ai cru voir avec les BB 75000 et la photo d'avant qu'on avait le même système. Ou peut-être c'est une illusion d'optique. J'ai cru voir deux lumières de part et d'autre de la tablette, et je voulais savoir si ça servait pour la détection de l'homme mort.
Je ne sais pas. Alors, je peux répondre, ce qu'on aperçoit, ce ne sont pas des lumières, il n'y a pas de témoin lumineux. Non, c'est des systèmes de détection optique. Non, c'est sensitif seulement. Hein. Ce sont des zones où on peut poser les doigts. Daniel Brun l'avait montré aussi sur l'Eurostar, sur le côté du... On comprend bien. Ouais. Si jamais on a une défaillance, le bras tombe, donc on quitte la détection. Là, ce qui m'a intrigué, c'est que les deux zones de détection sont à plat sur la tablette. C'est ça, en fait, c'est juste on pose les mains dessus et le contact est maintenu et on le relâche de temps en temps. On soulève le doigt de temps en temps. D'accord. Mais ça veut quand même dire que par définition, si le type s'endort ou meurt, il laisse le doigt sur la zone. Il peut éventuellement laisser le doigt sur la zone, auquel cas on aura l'arrêt dans le temps. Oui, on aura l'arrêt, mais voilà. Au bout de 30 secondes. Oui, enfin, pour l'instant, 55, puisque la SNCF, on est encore resté là, mais c'est pas comme sur les trams. OK. Sur les trams, c'est 8 secondes. Oui, et d'ailleurs, on a vu avec les rattrapages et les accidents relativement récents qu'en fait, ce geste est devenu tellement automatique, on l'a vu dans vos films d'hier, qu'en fait, il ne montre absolument plus une quelconque vigilance du conducteur. Hein. Enfin, ce qui me surprend, c'est que sur les bus, on met pas de vacma non plus. Hein. Mmh. Bon, c'est un autre problème. On a pitié des conducteurs de bus. Oui, et pas de ce tram, ouais. Non. OK, merci en tout cas. Allez-y. Vas-y. Oui, j'ai trois questions. La première, j'ai été extrêmement intéressé par les deux exposés qui sont très complets. J'ai noté les comparaisons internationales et notamment les missions que vous avez faites en Suède. Je voulais savoir si vous avez également été amené à sortir du strict cadre du monde ferroviaire, c'est-à-dire est-ce que vous êtes également inspiré à un moment donné de ce qui pouvait exister comme pratique dans le monde routier, dans le monde aérien, par exemple. Ça, c'est la première question. La seconde question, est-ce que vous avez des éléments de bilan sur l'introduction des locomotives des opérateurs de fret privés, qui sont également des engins qui, je crois, sont assez largement interopérables, en tout cas, vous me corrigerez. Donc, est-ce qu'il y a des éléments de réflexion qui ont pu apparaître là-dessus? Également, j'ai été tout à fait intéressé par votre remarque sur le lien avec la médecine du travail et la possibilité de prendre en compte les pathologies. Donc, je voulais savoir s'il y avait d'autres éléments sur cette question ou si les deux, s'il y avait vraiment un problème de transmission de l'information sur ces questions-là. Et j'avais en tête, par exemple, le fait qu'en ce moment, les opérateurs bus américains sont extrêmement intéressés, impliqués par la question de l'apnée du sommeil et son influence sur la vigilance des conducteurs. Donc, je voudrais savoir un peu quels éléments de réflexion vous pourriez avoir sur ces trois questions. Merci. Alors, je commencerai par les contacts avec les autres conduites. Donc, j'ai parlé de la Suède parce qu'on a fait pas mal de missions là-bas, à la fois dans différents postes que j'ai tenus à la SNCF, à la fois sur la conception des TCO, là, les tableaux de contrôle optique, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. La conduite à proprement parler, j'en ai restitué un certain nombre d'éléments. Le Japon aussi, on a travaillé un peu avec eux,
qui ont une conception de la conduite totalement différente de la nôtre, donc c'est assez difficilement transponçable. On a repris la verbalisation chez eux en termes de conduite, ce qui a été très dur à faire passer chez les conducteurs. Mais ça marche quand même. Alors, pour les autres aspects conduite camion, on a travaillé avec les militaires. Ils ont des engins eux aussi à faire conduire avec des gens qu'ils forment très rapidement. À l'époque, c'était une armée obligatoire. Aujourd'hui, avec l'armée telle qu'elle existe, ils ont des spécialistes pour tout, donc c'est totalement différent. Mais au début, on avait un certain nombre de problèmes qu'on pouvait retrouver chez eux, et ça nous a servi essentiellement pour la conception de la formation, mais peu pour la définition des postes de conduite. Pour les routiers, on a essayé de comprendre ce qu'ils faisaient, et c'est là qu'on s'est aperçu que les cabines de conduite étaient relativement confortables, avec un siège très souple, adapté correctement au conducteur unique, en principe, du camion. Donc, c'est un peu plus simple à régler. La climatisation aussi à bord des camions, la couchette, enfin, il y avait des éléments de confort très importants, certains qui n'ont pas de sens chez nous, mais qui pourraient quand même vous induire dans les dispositions. On a cherché de ce côté-là, on n'a pas trouvé grand-chose, malgré tout. Pour ce qui est des contacts avec les services médicaux, on a eu des problèmes de transmission d'informations. On ne demandait pas d'avoir des dossiers médicaux, on demandait d'avoir un retour d'expérience anonymisé au maximum sur les pathologies possibles. On n'a pas eu grand-chose. On a aussi été très intéressé par les vibrations en cabine. Je crois que les conducteurs de bus, à l'heure actuelle, sont très intéressés aussi par les travaux des médecins là-dessus. On n'a pas eu d'éléments probants. Or, les conducteurs en fin de carrière, c'est vrai que les carrières de conducteurs sont relativement courtes, même avec la retraite qui s'éloigne petit à petit. Les colonnes vertébrales de nos conducteurs ne sont pas forcément les mieux traitées. Mais il y a pire, il y a largement pire en matière de conduite. Dans les médecins, enfin à part des médecins d'établissement avec lesquels on pouvait discuter, n'ont jamais voulu en tant que corps nous donner les informations. On est passé à côté. Et puis, je vous dis ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, je le répète, pour eux, les conducteurs partaient à l'époque très tôt en retraite et les pathologies se déclarent après. Après, d'accord. Vous avez un argument pour ne pas trop... Pour ne pas trop en parler. Et puis, bien sûr, ils ne les suivent plus, donc ils ne peuvent pas nous dire quelles sont les conséquences a posteriori. Les caisses de prévoyance auraient pu nous le dire, puisque là, on suit les mécaniciens à la retraite. Pas de résultat non plus. Là. Alors que quelques-uns de ces médecins ont fait des recherches fouillées dans les maladies des gens, pour être commandités exprès, pour dire intéressez-vous en particulier aux maladies de VC, etc. Oui. Mais oui. Mais ça prouve que c'est un monde, j'ai l'impression, très autonome, très compartimenté, secret défense. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les syndicats n'étaient pas du tout chauds pour qu'on ouvre ce dossier-là. Ah. Non. Et là, l'idée que j'en tire au bout du compte, c'est que les syndicats qui représentaient les conducteurs, et sans doute c'est une politique qui doit quand même perdurer, avaient besoin de quelques biscuits gardés par derrière eux pour faire un peu de pression. Ne pas résoudre des problèmes, c'est une manière comme une autre de garder quelques biscuits pour la suite. Mais les conducteurs n'étaient pas très intéressés quand on leur a posé des questions, puisqu'on les a interrogés, on les a fait interroger par des gens neutres, tels que les ergonomes, les sociologues, sur leur vie en cabine. Toutes les astuces qu'ils développaient pour pallier ce problème, il a fallu qu'on les tire petit à petit, ou même au travers d'accidents. Il y a un conducteur qui a perdu une jambe parce qu'il était en train d'uriner avec un boyau de foin à travers la porte. Donc, c'est quand même un peu particulier. Bon, les bouteilles à disposition, les gens qui ont leur poche urinaire, qui se font prescrire par des médecins, tout ça, ça existe. Et ils ne veulent pas qu'on le sache. C'est leur truc. C'est tout. Je pense qu'il y a toujours eu... Les mécaniciens du temps de la peur sont toujours
inventer Dieu sait quoi en réglementation pour améliorer leur confort. Et ça faisait partie un peu de leur... Mais sur l'introduction des opérateurs privés, vous avez des retours d'expérience ? Je n'ai pas vécu cette partie-là. On la sentait arriver, on voyait qu'on nous demandait de définir des cabines de conduite interopérables et quasi identiques pour tous, avec les règles que l'Europe voulait définir pour donner des prescriptions. Mais je n'ai pas vécu cette partie-là. Alors, je vois de temps en temps des cabines de conduite présentées dans la presse ou... Alors, j'ai pas vu d'anomalie flagrante. Hein. Ce sont des cabines interopérables, donc elles s'inspirent de ce qui était fait chez nous, chez les Allemands, tous les Suisses aussi, qui ont une très belle cabine de conduite, les Italiens. Ce sont des cabines qui allient un certain nombre de concepts qui ont été développés par les uns et par les autres pour pouvoir circuler à travers l'Europe. Alors, j'enchaîne avec quelque chose que je voulais signaler. Dans le dernier tome de Matériel roulant, trois tomes de traité de la conception d'une locomotive interopérable, etc., à la pointe high-tech, etc., ce bouquin écrit par un collectif d'ingénieurs plutôt non SNCF, un chapitre consacré à la cabine de conduite et évoque avec stupéfaction la commission à l'UIC créée en 1990 autour du programme European Unified Driver Desk, EUDD, et donc je crois que je t'avais posé la question, on a l'impression qu'à la SNCF, on ignore complètement, et qu'est-ce qui est devenu ça? Alors moi j'ai trouvé que dans ce chapitre important, on évoque des fiches UIC, la 651, la 612, qui seraient les broches. Alors on voit bien que ça n'a pas bien abouti, mais on a du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas abouti. Donc un projet UIC de standardisation du pupitre de conduite européen, dans l'optique sous la pression, Bruxelles, on imagine bien, mais on a l'impression que ça tournait court, que la SNCF n'est pas dans le coup. Autant encore de questions, peut-être un peu plus, je dirais, de politique, des réseaux, chacun pour soi. Ce n'est pas du chacun pour soi. L'UIC est un organisme international. Il a voulu se placer pour aider l'Europe à se construire en matière ferroviaire. Il a été évincé. C'est tout. Et par le constructeur, oui. Non, c'est oui, pas parler, oui. Peut-être que les constructeurs oui. ont voulu évincer l'UIC, mais ça a été fait par les instances européennes. Oui. Enfin, la commission UIC sur le pupitre, c'est une émanation d'ingénieurs des réseaux. Hein, donc, oui. Je ne sais pas si la France est représentée. C'est à l'époque où tu es dans On le On devait avoir un représentant. Ben oui. Qui ah. Ah, ah. Il était discret. J'ai posé la question à l'UIC, est-ce qu'ils ont les archives de ça? Bon, enfin, c'est un peu compliqué, les archives sont... éloigné. Juste un point là-dessus, oui. On n'a pas vécu du tout la même histoire dans le monde urbain, c'est-à-dire que l'UITP a été vraiment partie prenante des projets européens, notamment en mobilisant les réseaux d'experts des différents opérateurs, et notamment il y a eu un projet européen concernant les tramways qui porte le joli nom de Libertin, qui a analysé toutes les questions qui ont été évoquées ces derniers jours. Je confirme que la direction d'attraction participait, Georges, aux études de l'UIC, de l'EUDD, etc. Je peux citer Pierre Nègre en particulier, qui a suivi le pupitre. Ça, c'est dans la première décennie des années 2000, je ne peux pas parler après puisque je n'y étais plus. Qu'actuellement, il y a un certain nombre de conclusions qui sont mises en œuvre dans les pupitres actuels, en particulier la forme des boutons poussoirs ou des boutons de commande des portes, etc., qui sont unifiés, conformément aux fiches de l'UIC. Bon, après, il ne faut pas non plus croire que le pupitre universel, c'est formidable. D'abord parce que s'il est complètement figé dans le temps, ça sera une vraie catastrophe. Et j'ai montré hier quelques photos, les rames 750. Moi, un jour, je conduisais ce type de rame et le lendemain, j'étais sur une RTG, donc un turbotrain, le summum de la technique de l'époque. Et ça ne nous posait pas de problème particulier. Hein. Il ne faut pas croire qu'il faille absolument trouver toujours le même pupitre pour être à l'aise dans la conduite. La commission d'experts qui avait été mise en place après les accidents de 85-88 l'avait fait remarquer.
c'est que la SNCF avait peur de faire des grands pas pour certaines introductions de technologies ou de nouvelles techniques et qu'elle préférait avancer à petits pas, ce qui pouvait conduire à des aberrations. Il faut savoir manager l'introduction de nouvelles technologies et quelquefois faire un grand pas et changer d'optique. C'est bien étudié. On voit au lancement, à l'apparition des BB 27000 qui ont quand même, qui sont complètement différentes du point de vue conduite. Les conducteurs n'avaient aucune difficulté. On l'a fait d'abord sur les essais sur Simufer, le simulateur d'études et de recherche où ce pupitre était installé. Les conducteurs découvraient et en fait, en quelques minutes, conduisaient tout à fait parfaitement le train sous le regard des ergonomes et pour vérifier que ça ne leur posait pas de problème. Au contraire, quelque chose qui est bien conçu, ça plaît à l'utilisateur en fait, hein, de ce changement. Peut-être qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On saute des gares ou bien on enchaîne? Non, je vais juste faire part d'une dernière remarque d'un spectateur qui nous dit effectivement, pour appuyer ses propos sur les vibrations, c'est souvent un problème relevé par des conducteurs et conductrices de MP73 sur la ligne 6. Donc, comme il est 11h18 et que donc là nous avons dépassé les bornes et les limites, je vous propose une petite pause, on va combiner pause vidéo et pause tout court. Donc, on va diffuser un film qui nous a été aimablement fourni par Philippe Hérissé qui interviendra immédiatement après. Donc, on se retrouve, il est 11h20, on dit à 11h30. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite. On ne le répétera jamais trop, dans l'univers ferroviaire, la sécurité est plus qu'une priorité, elle est au cœur même de l'activité. Il y a quelques semaines, nous vous emmenions en cabine entre Paris et Nevers pour visualiser toute l'importance des facteurs organisationnels et humains dans la conduite d'un train. Aujourd'hui, nous repartons, cette fois en tête du train 59-55, et nous nous intéressons à l'étape de Nevers à Clermont, avec une particularité, la conduite à vitesse limite 200 km/h entre Saint-Quaise et Saint-Germain-des-Fossés. TIB 110. C'est bon. À gauche, ouais. Donc Benoît, ce que je te propose avant qu'on arrive sur la zone à 200, c'est qu'on rebalaye les menaces systémiques et personnelles, ouais. D'accord. On va utiliser pour ça le modèle MAD, donc je te rappelle ce que c'est. Le M, on va aller regarder tout ce qui est menaces liées au matériel ou au système technique. Le premier A de MAD, ça va être regarder la performance de l'ADC, donc du conducteur.
On met à l'intérieur de ça son niveau de fatigue, son niveau de vigilance, sa capacité à mobiliser son attention, oui. D'accord ? Principalement ça, les soucis perso peuvent aussi rentrer là-dedans, donc on s'auto-évalue finalement. Ensuite, le deuxième A, c'est les autres acteurs. Donc très clairement, là, bah, la relation qu'il y a sur le personnel qui est en cabine. D'accord ? Et puis le D, c'est la documentation, toutes les menaces liées à ce qu'on a dans nos documents. Et le E, l'environnement au sens global, en passant par des aspects météo, mais ça peut être qu'un aspect, il peut y en avoir d'autres, comme par exemple si on a des travaux ou si on a du retard qui génère une pression temporelle, ou c'est évidemment pas limitatif. Ça te convient ? Très bien. Tableau P, perte du B, apparition, montée du P. C'est bon 160. J'ai pris un peu large, effectivement, mais... Le contexte météo voilà. Justifie qu'on prenne des marges, hein, y a aucun problème. En plus, on est à l'heure, il n'y a plus rien qui nous oblige à être limite. 120 derrière. 120. Donc Saint-Germain-des-Fossés, vérification des directions. Donc nous partons direction Vichy, donc il nous faudra impérativement le TIDD à droite, plus de feu. Deux feux à la première, un et feu ensuite, à la seconde. En sortie, à gauche et un feu. Zone 120. Et on va rencontrer encore une zone 100 oui. Pour traverser Saint-Germain-des-Fossés. Ça suit. Très bien. Descend, le ferro statique, enfin l'électrique, pardon.
Et avertissement. Oh, c'est la GC qui croise ça. Donc ben voilà, nous arrivons à Clermont-Ferrand. Avertissement. Avertissement. Ah bah tu le sifflais, on sait jamais. Il est 11h30 précise. Je vois que Philippe Hérissé est en train de s'installer. Donc nous allons l'écouter dans quelques instants. Et comme je vous le disais, nous aurons ensuite une nouvelle session de questions-réponses à la fois sur son intervention et éventuellement s'il y a des questions par rapport à tout ce qui s'est dit depuis 3 jours. Francis Beaussier conclura la matinée et Georges Ribeil portera sa conclusion de ces 3 matinées d'échange sur les cabines de conduite. Bonjour à tous. Je vous propose maintenant un rapide survol sur l'évolution des cabines de conduite durant ces dernières décennies, en lien avec les progrès de la technologie et en lien également avec l'émergence progressive de nouvelles exigences en matière de sécurité circulation. Si on schématise énormément le métier de conducteur, on pourrait se dire que finalement, il y a de l'observation et de l'action. L'observation, c'est évidemment l'observation de la voie et des signaux. C'est aussi l'observation de l'état du train et tout particulièrement de l'état de l'engin moteur qu'il conduit. Pour cela, il faut des appareils de mesure présents en cabine. Et puis, c'est un travail d'action. Il faut pouvoir agir sur la traction, le freinage, commander les auxiliaires. Il faut donc également des appareils de commande. Alors, voilà une cabine de conduite. En fait, ça, c'est une locomotive de l'ancienne ligne minière de Saint-Georges-de-Commiers à Lamure. On voit tout de suite que ce n'est pas un chef-d'œuvre d'ergonomie. Et en particulier, on voit donc l'indicateur de vitesse TELOC en haut et ces manomètres qui sont finalement accrochés de façon un peu aléatoire sur la paroi gauche de la cabine, sans prendre en compte évidemment les exigences de visibilité finalement dans le champ du conducteur. Ça, c'est la BB 9004, la machine co-détentrice du record du monde de mars 55 là. On voit très très bien que finalement à l'époque des premières cabines de conduite, alors on parle de cabine de conduite, on ne parle pas d'abri. Donc, on ne va pas parler de vapeur, on va uniquement parler de traction électrique et de traction diesel. Vous voyez bien qu'à l'origine, au début, ces cabines de conduite, en fait, les appareils donc de mesure et les appareils de commande étaient conçus comme des entités séparées, tout à fait séparées. Et là, on en a un exemple parfait. On a le fameux indicateur de vitesse flamand en haut à gauche. Voilà. Juste en dessous, on a le robinet de mécanicien pour la commande du freinage.
de type H7A, voilà, qui lui aussi est conçu comme une entité en soi et pas du tout intégrée au reste, hein, notamment l'espèce de socle du manipulateur de traction qui a déjà donc la forme d'un volant. Voilà. Alors, au niveau ergonomique, bon, on ne peut pas dire que ce soit parfait puisque on a l'entraînement mécanique, hein, en cabine par un arbre de l'indicateur flamand, hein, et puis bah, le H7A, hein, ou les robinets mécaniciens de ce type, ceux qui les ont pratiqués savent très bien qu'on a l'échappement de l'air en cabine, et donc c'est un bruit épouvantable, le conducteur en prend évidemment plein les oreilles. Là, on passe, on va rester sur le record de 55, mais il n'y avait pas d'intention volontaire derrière ça. C'est la CC7107, hein, vous l'aurez sûrement reconnu. Et donc, on retrouve effectivement bon, le robinet mécanicien, le H7A sur la gauche, le volant du manipulateur de traction, hein, de toute façon, pratiquement très très vite, hein, on a choisi d'avoir un manipulateur de traction qui soit un volant. Et en dessous, on voit le cercle de la veille automatique, qu'on appelait à l'époque plus souvent la VACMA, la veille automatique à contrôle de maintien à l'appui, hein, et qu'on appellera plutôt maintenant la VA, voilà, en trois parties et purement mécanique. Oui, alors un mot très vite sur la VA, bien sûr. Bon, nous, on a fait le choix en France très très vite d'avoir une VA qui est basée sur des temporisations, hein, donc en fait, à l'origine, c'était les fameux 55 secondes de maintien d'appui, 2 secondes 5 de relâchement d'appui, avec 2 secondes 5 de klaxon, finalement, hein, et puis après, bon, effectivement, on a ouverture du disjoncteur et freinage d'urgence. Alors, la veille automatique, autant, bon, effectivement, elle a bon, un petit défaut, mais bon, ce sont heureusement des circonstances qui sont extrêmement, extrêmement rares, hein, mais il est évident que, bon, si le train roule à 200, en 55 secondes de maintien d'appui, si, ma foi, le conducteur maintient appuyé une pédale de VA, puisque voilà, le cercle bien sûr les deux pédales de VA, hein, et bien en 55 secondes on parcourt quand même plus de 3 km, hein. Voilà, alors il y a d'autres systèmes qui existent, hein, bien entendu. Alors les Allemands longtemps ont été fidèles à un système qui privilégiait le kilomètre parcouru. Alors évidemment on a plus ce défaut là, hein, bien entendu, hein, puisque finalement le réarmement de la VA est uniquement en fonction donc de l'espace, hein, que le train donc a parcouru. C'est un avantage d'ailleurs, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que hein, la VA, on l'a fait surtout sonner en fait bah, quand on est à 30 km/h en approche de signaux. Voilà, enfin, quand ça roule vraiment pas vite du tout, évidemment, bon, c'est sûr qu'avec une VA au kilométrage parcouru, hein, on a plus de problèmes. Alors, il y a aussi des systèmes beaucoup plus, on va pas s'étendre là-dessus parce que ça va se perdre, mais des systèmes beaucoup plus exotiques. Hein, par exemple, les Russes, très longtemps, je ne sais plus d'ailleurs s'ils le font toujours, mais pendant très longtemps, et encore il n'y a pas si longtemps, hein, ils utilisaient la mesure en fait, de la résistivité de la peau. Hein. Alors là, effectivement, il n'y avait aucune action à faire pour le conducteur, puisque finalement, il avait juste à enfiler autour de l'un de ses doigts un anneau métallique, hein, qui était relié par un câble, hein, par un fil même plus exactement, hein, qui était relié au pupitre, hein, et en fait, on avait donc une mesure permanente de la résistivité de la peau, et en fait, cette résistivité, donc, eh bien, elle change lorsque l'état de veille consciente se dégrade. Voilà, bon, c'est un autre système, hein, que l'on a pu voir. Voilà, donc, oui, une chose aussi, donc nous, on est parti sur la traction à gauche et, le freinage à gauche et la traction à droite. Alors en fait, c'est pas un choix très forcément très partagé, hein, en particulier bon, tous les pays germaniques c'est l'inverse, le frein est à droite et la traction est à gauche. Alors, les origines viennent de très loin d'ailleurs, parce que finalement c'est à l'époque des tramways à traction hippomobile, hein, où en fait eh bien, le frein mécanique, hein, il était particulièrement difficile à manœuvrer, hein, et il était
à droite, parce qu'évidemment, bon, la majorité des opérateurs sont droitiers, et comme il fallait une certaine force, eh bien, on a réservé donc la main droite au frein et la main gauche, donc en fait, là, en l'occurrence pour tenir les rênes. Hein. Là, on a donc, ça c'est une automatrice de la Rittnerbahn, c'est au-dessus de Bolzano, à la frontière austro-hongroise, travaillée automotrice. Bon, on voit que le frein mécanique est à droite. Là, on est sur une automotrice du Montreux-Berland-Bernois, sur la ligne de Zweisimmen, et on voit là aussi, bien sûr, hein, que le frein est à droite. Le conducteur, d'ailleurs, a la main dessus. Bon. Alors, la première tentative d'intégration, en fait, on la trouve donc fin des années 50, début des années 60. Alors, la SNCF, à l'époque, avait ce qu'elle appelait des groupes analyse de la valeur. Et en fait, une démarche extrêmement pragmatique, extrêmement intelligente, qui consistait finalement à revisiter en quelque sorte l'univers ferroviaire et à chaque fois essayer d'optimiser bon, des éléments de cet univers ferroviaire. Hein. Et le pupitre de conduite des engins moteurs, c'est un élément, hein, qu'il convenait bien sûr d'optimiser. Bon. Le résultat de tout ça, hein, c'est la naissance de ce que l'on a appelé d'abord le pupitre fonctionnel, et puis qu'on appelle maintenant le pupitre unifié. Hein, donc là, on est effectivement, bon, disons, début des années 60. Ça, c'est une 9700. Alors, 9700, c'est, pardonnez-moi, c'est vraiment pas une machine spécialement typique, hein, c'est une des 4 9200 qui ont été modifiées pour la remorque des VR de Zen en réversibilité avec multiplexage, hein, mais bon, c'est la seule photo là, que j'ai trouvée là, hier. Voilà, donc voilà un pupitre fonctionnel, on va dire maintenant un pupitre unifié. Bon, ce que l'on remarque, bah, c'est que la boîte à levier déjà, hein, généralement, bon, tous ces interrupteurs, ils étaient plutôt, bon, finalement relativement loin du conducteur, hein, et en fait, on les a intégrés dans ce que l'on a donc appelé, au sens propre cette fois-ci, la boîte à levier qui se trouve en fait juste sous le manipulateur de traction. Hein. Alors, regardons ce pupitre, c'est un pupitre fermé. Hein. Alors, il y avait eu à l'époque, et d'ailleurs on s'est reposé la question au moment du pupitre de l'avenir, on y reviendra tout à l'heure, il y avait un débat, c'était pupitre ouvert versus pupitre fermé. Le pupitre ouvert, il y a des adeptes, hein, c'est les Anglais, par exemple, qui l'étaient, bon, à ces époques-là, hein, bien sûr, je parle. Les Scandinaves aussi, voilà. Et le pupitre fermé, eh bien, le pupitre fermé, sa caractéristique, c'est qu'il y a une table, en quelque sorte, que l'on voit bien, là, hein, et à l'extrémité de la table, il y a donc cette boîte à levier, voilà. Et on l'a choisi parce qu'en fait, on avait dans l'idée qu'il serait plus sécurisant pour le conducteur, déjà, donc là, c'est un aspect peut-être un peu psychologique, mais surtout, on avait la possibilité d'avoir un manipulateur de traction d'un grand diamètre, hein, ce manipulateur de traction que vous voyez là. Et puis, bon, effectivement, on ramenait la boîte à levier à ce niveau-là. Autre chose aussi, bon, le rassemblement de toutes les lampes de signalisation, qui quelquefois a été un petit peu disséminé, ce que l'on a appelé à l'époque le Lumitex, hein, qui est le boîtier des pictogrammes, on dira plutôt le boîtier des pictogrammes maintenant, c'est ce que vous voyez juste au-dessus du manipulateur de traction, voilà, où on rassemble donc les lampes de signalisation principales, hein, nécessaires donc à la conduite, à la surveillance de l'engin. Alors, exit bien sûr les robinets de mécaniciens, et c'est l'époque aussi où on a développé le frein PBL2, hein, avec un manipulateur donc que vous voyez vous savez où il est de toute façon, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce manipulateur un peu de forme joystick, comme on pourrait dire maintenant, avec, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais enfin, on va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas fondamental, hein, avec en gros, bon, une position stable
intermédiaire et deux positions instables, hein, une position instable de serrage et une position instable de desserrage. Et avec un manipulateur de ce type, on arrivait à avoir donc une modérabilité au serrage et au desserrage qui était quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus ergonomique que ce que l'on pouvait faire avec des robinets de mécaniciens. Alors, ces engins-là, ce sont des engins à conduite en affiche de tension. Hein, autrement dit, en fait, pour la mise en vitesse, finalement, donc on affiche une tension hein, aux bornes des moteurs. Alors, on disait à l'époque hein, que finalement, l'avantage de la conduite en affiche de tension, hein, c'était que c'était une conduite, c'était un système qui était en quelque sorte un peu autorégulateur, hein, tout simplement parce que lorsque l'on arrive dans une rampe, par exemple, hein, la vitesse a tendance évidemment à diminuer. À partir de ce moment-là, l'intensité dans les moteurs va forcément augmenter. Et comme on travaille à tension constante, hein, on a la puissance, bien sûr, qui est le produit de la tension et l'intensité, qui va un petit peu augmenter. Voilà. Et du coup, on disait et on pensait qu'on avait là une machine qui, quelque part, était plus facile à conduire, hein, puisque finalement, on avalait plus facilement un certain nombre de petites différences dans le profil en haut. Alors, cela dit, bon, ces machines, elles avaient quand même un gros inconvénient, hein, c'est que finalement, il fallait énormément travailler, hein, parce que finalement, c'était des machines, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était des machines donc, qui fonctionnaient, en fait, donc avec un système de rheostat et de résistance qu'on éliminait, hein, on avait donc des crans à passer, hein, donc si on regarde le manipulateur hein, de traction, bien entendu, donc on a une position là qui est zéro, et puis ensuite, eh bien, si on voulait évidemment mettre en vitesse l'engin, on allait sur la position plus de la plage traction, c'est-à-dire la plage qui était à gauche, et la plage symétrique à droite, c'est la plage de freinage, mais elle est faite exactement de la même manière, et de part et d'autre donc de cette position plus là, que vous voyez, eh bien, on a de cette position stop, pardonnez-moi, je dis plus, c'est stop, hein, bien entendu, stop, eh bien, on a plus ou moins, hein, pour ajouter un cran supplémentaire, pour retirer un cran, bien sûr, hein, et donc, en fait, on va faire des impulsions stop plus, stop plus, stop plus, hein, pour pouvoir monter les contractions, hein, même chose, stop moins, stop moins, stop moins, hein, pour pouvoir les descendre. Hein. Bon, en plus, il fallait transitionner, parce qu'il fallait transitionner, c'était donc changer de couplage électrique, donc il y avait 7 manœuvres supplémentaires à faire une fois qu'on avait donc passé un certain nombre de crans, hein, et puis il y avait ensuite, à la fin, il y avait des crans de chantage à passer aussi. En fait, il y avait plein de manipulations à faire, hein, qui faisaient que la conduite, le conducteur était vraiment, mais alors, avait effectivement beaucoup à travailler, en particulier, bien entendu, lorsqu'on avait des lignes à profil difficile. Hein. Alors, on avait quand même la progression rapide qui permettait, quand on devait couper la traction, donc ramener le manipulateur à zéro, hein. Si on était encore en vitesse, s'il fallait encore remonter tout l'écran, hein, c'était une véritable galère. Hein. Donc, bien entendu, il y avait cette progression rapide, hein, petit levier sous le manipulateur de traction, et puis on enclenchait tout à fait à gauche à fond le manipulateur, et puis on remontait donc l'écran automatiquement. C'était le seul automatisme en quelque sorte, hein, qui existait, qui était donc cette progression rapide. Hein. Voilà. Dans les années 70, on a une évolution considérable, hein, au niveau de la technologie de conception des engins moteurs. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bon, encore sans entrer dans le détail, mais on avait essentiellement des engins moteurs qui étaient réalisés en électromécanique, hein, avec des arbres à cames, des pièces tournantes, voilà. Et puis, eh bien, en fait, on va en venir à des engins où la chaîne de traction va être en fait statique, hein, avec c'est notamment l'arrivée du thyristor, hein, donc qui est un semi-conducteur, hein, il n'est pas arrivé comme ça, comme un chausson à soupe, mais on ne pouvait pas l'appliquer encore trop aux ferroviaires, et
avec les progrès réalisés dans les composants. Donc, on va pouvoir réaliser des chaînes de traction entièrement statiques, hein, notamment grâce à cet Iristor. Donc, exit, bien sûr, toute l'électromécanique. Hein, donc, en termes de maintenance, ça, c'est sûr que c'était quand même un avantage considérable. Mais ça va changer énormément aussi la conduite. Maintenant, on va passer d'une conduite en affiche de tension à une conduite en affiche d'intensité. On n'affichera plus une tension au bord des moteurs. Hein, quand je dis en affiche, c'est donc le conducteur à partir de son manipulateur de traction, mais ce sera l'intensité qui sera régulée. Et alors là, à l'époque, on a vu la SNCF avait eu des craintes sur la manière dont les conducteurs pourraient s'acclimater à ce type de conduite, puisque évidemment, déjà, à la différence de la conduite en affiche de tension, il n'y avait plus cet effet autorégulateur dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on avait décidé, pour aider le conducteur dans sa tâche, hein, donc, de développer cet automatisme, bon, aujourd'hui bien connu, hein, cet automatisme d'aide à la conduite, hein, qui est la vitesse imposée, la VI. Hein, donc vous avez bien sûr, hein, enfin, vous connaissez, vous avez donc le levier de vitesse imposée, hein, qui permet en fait de régler en fait une vitesse à ne pas dépasser. C'est en quelque sorte un taquet de vitesse. Hein. Vous avez l'indicateur de vitesse imposée qui se trouve juste au-dessus. Hein. Et donc en fait, bon, ce levier de vitesse imposée, donc il y a évidemment une position zéro, freinage électrique ou traction. Et traction derrière, vous avez une plage de réglage hein, qui permet donc, en regardant l'indicateur de vitesse imposée, de faire le réglage exact de la vitesse qu'on ne veut pas dépasser. Bon, avec une limite, bien entendu, c'est que quand on est avec une rame automotrice, on a évidemment suffisamment d'adhérence, on a suffisamment de bogies moteurs en général pour pouvoir retenir le train en rhéostatique. Hein, ça, on ne peut pas le faire. Par contre, évidemment, si on a une locomotive avec derrière une rame tractée. Hein, et donc, effectivement, bon, la vitesse imposée, c'est pas la garantie de ne pas bouffer le trait, hein, c'est-à-dire de ne pas dépasser, si on n'est pas vigilant, la vitesse limite autorisée. Alors cela dit, c'est une aide considérable, par exemple évidemment pour les zones d'aiguille en sortie de gare, hein, et donc on libère finalement, c'était ça l'idée, on libère le conducteur du respect manuel de la vitesse dans certains cas de figure où effectivement ça ne s'imposait pas. Donc là, c'était une 7200. Alors, vous voyez très très bien là, le secteur intensité. Hein, du manipulateur de traction, hein, et en fait donc c'est un déplacement continu, hein, pour régler l'intensité affichée aux bornes des moteurs, hein, donc on n'a plus de cran, bien entendu, on n'a plus non plus à transitionner, on n'a plus à changer de couplage, on n'a plus non plus de cran de chantage, hein, et donc en fait au niveau de la conduite on a quelque chose d'infiniment plus on va pas dire facile parce que ça n'est jamais facile, mais beaucoup moins de manipulation. Oula, on fait signe que c'est terrible, j'en suis même pas au début. Nouvelle évolution technologique, là, on va se placer, je vais faire un grand saut parce que sinon, on n'y arrivera évidemment pas. Donc, on va se placer au niveau des années 80-90, et là donc on a une nouvelle grande révolution, enfin vraiment une grande révolution, c'est l'apparition de la transmission triphasée, hein, donc jusqu'à maintenant, hein, on faisait essentiellement des locomotives ou des éléments automoteurs avec des moteurs de traction à courant continu, hein, pour une raison très simple, c'est que le moteur à courant continu, bien évidemment, c'est le moteur qui est fait pour la traction électrique, hein, puisque si on regarde l'allure, hein, de sa courbe caractéristique effort en fonction de la vitesse, hein, on voit très bien que bon, au travers de vitesse, on peut développer un couple très très important. Et puis ensuite, gros avantage, on peut aussi faire varier dans une large plage sa vitesse de rotation. Hein, et comme vous savez que par définition, sur une locomotive, il n'y a pas une boîte de vitesse, enfin, même s'il y a éventuellement un changement de réduction. Et donc, voilà deux avantages, hein, qui étaient fondamentaux pour la traction électrique. Le couple important, bah,
C'est bien connu. Bon, au départ, il faut décoller le train. Hein, décoller le train hein. D'ailleurs, bon, c'est pour ça que les attelages sont passés à refus sur les trains de messagerie. On décolle wagon par wagon. Hein, mais il y a un véritable, il y a un gros effort hein, pour la machine, hein, pour décoller le train. Donc évidemment, la caractéristique en vitesse avec très très haute hein, au niveau des très 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 basses vitesses, hein, bon, bah, c'était parfait. Bon. Problème du moteur électrique, bon, ça c'est bien connu aussi. Hein, un moteur électrique, bon, bah, le rotor, il y a un collecteur, et puis le collecteur, eh ben, il faut le rectifier à intervalles réguliers. Donc c'est compliqué, il faut tomber le moteur, tout ça. Au niveau de la maintenance, ce n'est pas l'idéal. Alors évidemment, il y a des moteurs qui étaient beaucoup plus sympathiques, c'était des moteurs triphasés, soit synchrone, soit asynchrone. On les connaissait depuis longtemps, d'ailleurs. Il y avait d'ailleurs déjà quelques. Il y avait déjà eu des engins avec. Hein, qui avait fonctionné avec des moteurs de ce type. Bon, la grosse difficulté, c'est qu'on n'avait pas hein, toute l'armada de l'électronique de commande hein, pour pouvoir piloter ces moteurs hein, de façon, en gros, bon, je schématise à mort, mais de façon à leur donner, en gros, finalement, une caractéristique qui a un peu l'allure de la caractéristique du moteur à courant continu, c'est-à-dire, en fait, fort couple démarrage et possibilité de varier dans une large plage la vitesse de rotation. Et donc, grâce à ces progrès-là, on a pu donc utiliser des moteurs synchrones et des moteurs asynchrones, la philosophie de la SNCF à l'époque étant de réserver le moteur synchrone, alors c'était des moteurs synchrones autopilotés hein, pour les locomotives ou les TGV et les moteurs asynchrones pour ce qui était engins donc automoteurs. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, hein, et puis c'était l'arrivée du TGV Atlantique, c'était aussi, ça allait être l'arrivée de la Civil, du B26000, donc il fallait faire quelque chose sur le pupitre. Hein. Et un groupe de travail s'est réuni à la SNCF. Hein, avec différentes divisions de MC, hein, matériel construction, avec le département traction et circulation, la direction du transport, avec des médecins, des psychologues, et on a fait une étude des gestes fonctionnels de la conduite. Alors, on les a classés, en fait, en trois catégories. Hein, ceux qui concernaient la sécurité, donc, hein, qui étaient véritablement... qu'il fallait vraiment privilégier. Hein, ceux qui concernaient des appareils fréquemment manipulés, et puis ceux qui correspondaient à des appareils dont les manipulations étaient... plus occasionnel. Et puis parallèlement, et même un petit peu avant, on avait demandé à MBD, hein, le fameux connu designer MBD, qui avait réalisé un très bon travail là, au niveau des pupitres de conduite des Z6400, un petit peu avant. Les Z6400, c'est ces éléments automoteurs de la banlieue de Paris-Saint-Lazare, hein, qui viennent d'être retirés du service là, il n'y a pas bien longtemps. Hein, voilà. Et on lui avait demandé d'étudier donc, en quelque sorte les volumes et les volumes de ce que serait un pupitre qui serait le pupitre de l'avenir. Hein, c'était le terme qui avait été utilisé à l'époque et qui, bien sûr, est resté. Voilà. Donc, lui, il a fait ce pupitre avec des éléments en arc de cercle, hein, que l'on voit très, très bien, hein, cette disposition en arc de cercle. Hein. Et puis, le groupe, ensuite, a disposé en fait, les appareils sur le pupitre, hein, donc, en fonction, effectivement, de ce qu'il avait constaté, notamment au niveau du classement ces gestes. Alors, comme j'essaye d'aller très, 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 très vite, je passe des trucs, donc je vais faire un petit saut également encore. Pardonnez-moi. Alors, ce qui est quand même important, oui, bon, ce pupitre, très important, bon, on partait d'une notion qui est, on a étudié un peu le côté anthropométrique, enfin, la peine. Beaucoup étudié, hein, et on voulait en fait que ce pupitre, au départ, hein, il soit vraiment parfaitement adapté au conducteur raisonnablement le plus petit et au conducteur raisonnablement le plus grand. Bon, et, ce qui n'est pas du tout évident. Hein, bon. Et à partir de là, hein, on en était arrivé donc à la conclusion, et c'est la caractéristique d'ailleurs du pupitre de l'avenir, puisque c'est la première fois qu'on le faisait, que le siège, enfin c'est la première fois qu'on le faisait sur une locomotive et sur un. Que le siège en fait devait être fixe, hein, et que le réglage, en fait, hein, pour prendre en compte justement cet aspect anthropométrique, hein, devait se faire de la manière suivante. Le conducteur petit, en fait, en rapprochant le siège, descendait l'assise, hein, simultanément, hein, et le conducteur plus grand, en fait, montait et reculait. Hein, et en fait, c'était la seule façon d'arriver à obtenir
à la fois à peu près un accès aux appareils de commande hein, qui soit à peu près le même, et puis une visibilité hein, tant des appareils de mesure que de la voix hein, et des signaux qui soient à peu près aussi équivalents. Donc voilà, donc ça c'était une caractéristique première du pupitre de l'avenir. Alors, quelque chose qui saute aux yeux aussi, bien entendu, vous voyez que la table cette fois-ci, hein, donc voilà, on a garder le pupitre fermé une fois encore. On s'est reposé la question, hein, on s'est reposé la question à l'époque, hein, mais on a gardé le pupitre fermé. Hein, voilà. Et en fait, on a par contre fait migrer la boîte à levier, hein, qui n'est plus maintenant sous la table, hein, tout simplement parce qu'on ne voulait évidemment pas qu'il y ait les conducteurs qui puissent être gênés hein, au niveau des genoux par cette boîte à levier, ce qui a obligé, bon, malheureusement, à reporter certains interrupteurs sur la partie gauche. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. J'ai sauté sur le TGV là, hein, donc septembre 81 et puis en fait bon année 70. Bon, c'était un peu une erreur, je vais quand même en dire juste un mot. Voilà, ça c'est un pupitre de TGV PSE. Alors vous voyez le TGV PSE, bon évidemment c'est bien connu, hein, c'est deux locomotives BB 22200 finalement. Hein, hein, le gap technologique bien entendu il arrive avec le TGV Atlantique lorsque on passe bien sûr à la traction synchrone. Hein, mais là on est encore finalement sur une logique classique hein, finalement donc machine BB 22200. Bon, quelque chose de très important par rapport au conducteur quand même, en fait, on s'est posé la question à l'époque de la définition du TGV PSE, du Paris-Sud-Est, du premier TGV, du rôle du conducteur. Hein. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait garder au conducteur le rôle actif et intelligent, hein, pour la simple et bonne raison que si on ne le faisait pas, eh bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait pu automatiser, même à l'époque, hein, puisque certains l'avaient proposé, hein, ça n'avait pas été retenu, mais certains l'avaient proposé, on aurait pu automatiser totalement la conduite du TGV sur la partie LGV. Hein, voilà, hein, puisque finalement, les informations de vitesse hein, qui viennent des fils de rail, hein, sous la forme, à l'époque, c'était sous la forme de fréquences codées, on pouvait parfaitement hein, les réutiliser hein, pour pouvoir donc, en fait, hein, avoir un automate en fait, qui assure donc l'attraction et le freinage. Hein. Alors, finalement, l'idée qui était derrière ça, c'est que bon, l'homme, il ne reste disons, réellement opérationnel à tout instant, hein, en gros, qu'à deux conditions. Physiquement, il faut qu'il soit en état de veille consciente, hein, donc c'est l'absence d'endormissement, plus encore l'absence de malaise, par exemple. Alors ça, c'est ce que contrôle quelque part, finalement, la veille automatique. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que, psychiquement, il ne soit pas distrait. Hein. Son esprit ne doit pas vagabonder, hein, pour la simple et bonne raison que sinon, eh ben, finalement, si son esprit vagabonde, eh ben, au moment où la situation devient brusquement anormale, hein, eh bien, il ne sera pas forcément en capacité de réagir immédiatement hein, avec la rapidité souhaitée. Et pour cela, on était arrivé à la conclusion qu'il fallait laisser à l'homme donc, un certain nombre de tâches, bien entendu, et même d'ailleurs le faire travailler hein, au besoin dans des conditions dans des situations plus exactement, dans des situations qui pouvaient être difficiles, hein, qui pouvaient être complexes, hein, mais et à ce moment-là, finalement, bon, pouvoir le contrôler, hein, et en l'occurrence pour le TGV, en fait, le contrôler en permanence. Bon, ça a été aussi la philosophie du développement du Covid, hein, le contrôle de vitesse associé, enfin, le contrôle de vitesse donc particulier hein, lié au TGV. Hein, bon, on va pas rentrer dans le détail parce que malheureusement, je pense que il nous reste combien de temps? Non, il nous reste combien de temps là? Il n'y a plus de temps. Oh là. 5 minutes, allez. Bon, allez, 5 minutes. Ok. Bon, on va dire un mot quand même sur la sécurité et le lien sécurité et conduite. Hein. Bon, on avait fait les grands développements, mais on ne va pas les faire. Voilà. Bon, alors on sait que autrefois, bon, la répétition sonore des signaux, hein, bah, on n'avait que ça, hein, et donc en fait bah, c'était le ding sur les signaux ouverts hein, et le tut, le klaxon hein, sur les signaux fermés hein, que le
conducteur arrêtait, arrêtait le klaxon par appui sur un bouton qu'on appelait à l'époque le bouton poussoir de vigilance, qui est maintenant le bouton poussoir d'équipement. Voilà, mais à l'époque, bon, on a sorti cela de la nécessité pour le conducteur d'avoir montré, avant d'avoir franchi le signal fermé, qu'il l'avait bien vu. Hein, et donc, on lui demandait avant d'appuyer au moins une fois sur le bouton poussoir de vigilance, ce qui, sur la bande graphique, faisait une petite marque, le stylet faisait une petite marque vers le bas sur la ligne de répétition des signaux fermés. Donc, le conducteur voyait le signal au loin, il appuyait sur le bouton poussoir de vigilance une fois, on passait sur le crocodile du signal fermé, ça faisait tut, le conducteur arrêtait, le son continue, signal fermé, donc ce tut, en réappuyant sur le bouton poussoir de vigilance. Voilà, et là, on avait aussi encore une inscription du stylet vers le bas, et entre les deux, il y avait une inscription vers le haut pour matérialiser la position du signal sur la bande graphique. Cette vigilance, en fait, lorsque le conducteur oubliait de vigiler, donc oubliait de pointer le signal au moment où il le voyait et avant qu'il le franchisse, en fait, eh bien, on examinait les bandes graphiques, bien sûr, de façon systématique à cette époque-là pour la partie répétition des signaux. Et s'il y avait une non-vigilance, bon, par exemple dans les années 70, c'était 5 francs à payer. Bon, 5 francs, ça ne représentait pas grand-chose, mais si ça se reproduisait, c'était très vite l'examen psychotechnique et donc le risque en fait d'être descendu de machine. Et donc évidemment, bon, bah, au niveau rémunération, ça n'était plus du tout la même chose. Et puis en plus, bon, il y avait un côté un peu un conducteur, bon, fier de son travail, c'est bien normal, et donc c'était déshonorant quelque part, et voilà, c'est bien compréhensible. Mais le gros problème de ça, c'est que c'était devenu finalement ce qu'il y avait de plus important à faire, et d'ailleurs, bon, par exemple en stage traction, en stage pratiquing, le conducteur moniteur qui était avec vous, il vous disait toujours, tu vigiles une fois pour toi et une fois pour le chemin de fer. Donc c'était déjà deux fois, c'était déjà une fois de trop. Mais ce que l'on voyait dans la pratique, c'est que par exemple, on avait des conducteurs qui vigilaient frénétiquement en appuyant une quantité phénoménale de fois avant le franchissement du signal fermé, parce que pour eux c'était vraiment super important. Ils avaient toujours peur de ne pas le mettre. Il y avait des conducteurs aussi qui allaient regarder avec s'ils étaient du côté où il y avait la bande graphique, s'ils avaient un doute, ils allaient regarder avec leur lampe électrique pour voir s'ils apercevaient la marque du stylet. Donc c'était vraiment, c'était devenu obsessionnel, quoi. Et le résultat de tout ça, c'est que finalement, quand les gens ils savaient qu'ils avaient mis le signal dans la boîte, et bien finalement, pour eux, le travail était, l'essentiel était fait, sauf que, bien entendu, tout restait à faire. Parce que, bon, ils n'avaient pas encore coupé la traction, ils n'avaient pas encore amorcé leur freinage. Voilà, donc ce système, il était extrêmement contre-productif. Bon, deuxième aspect, il ne mettait pas à l'abri, bien entendu, d'un conducteur qui se serait endormi. Il y a eu un cas, notamment un autorail en région Normandie, il y a trop longtemps. Finalement, le conducteur, il était, bon, c'était au milieu de la nuit, c'était un W, matériel vide, il était un petit peu endormi, voilà, et puis, pof, tout d'un coup, il était réveillé par le son continu signal fermé, donc ce tu qui retentit en cabine très très fort. Donc, évidemment, le geste, paf, il se précipite sur le BPVG pour arrêter, mais bon, il n'était pas encore tout à fait, évidemment, réveillé, et bon, après, le temps qu'il a repris ses effets, pas tout heureusement, finalement, on n'était pas à l'abri, on n'aurait pas été à l'abri d'un problème. Or, c'est inévitable, je veux dire, on ne peut absolument pas en vouloir à un conducteur, à certains moments, au creux de la nuit, à un moment donné, d'avoir une diminution de sa vigilance, et c'est juste humain. Voilà. Donc, on a réfléchi à ça et on a développé, donc, dans un premier temps, la répétition optique. La répétition optique, en fait, c'était juste… on arrête. Bon, voilà, très, très vite. Alors, j'ai terminé juste avec ça. Je suis désolé parce que j'ai eu encore plein de choses, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est moi qui me suis mal organisé parce que je n'avais pas assez préparé. Donc, répétition optique, voilà. Donc, c'était une lampe, finalement, qui s'allumait. Évidemment, la lampe, elle ne réveille pas. Bon, et puis, alors, après, bon, il y avait quelque chose…
sur lequel il fallait absolument aussi fallait essayer de trouver une solution, c'était le fameux problème de la rupture de séquence. Hein, vous êtes conducteur, vous arrivez, vous êtes sur une rame de banlieue, vous arrivez à mi-gare, vous avez un arrêt régulier, vous rencontrez l'avertissement fermé, un feu jaune avant d'entrer en gare, voilà, donc puis vous arrêtez à quai, donc le service voyageur, les gens montent, descendent, oh, par exemple, il y a un collègue sur le quai, vous baissez le carreau pour lui dire bonjour, parler un petit peu, tout ça, ta-ta-ta, et puis hop, après, ding-ding de la TV, là, dans le train, la dispositif de correspondance, c'est le départ, autorisation de départ, paf, vous repartez, bah, il n'y a pas de signal de sortie, mais le signal, il est après une courbe, avec pas beaucoup de visibilité, et oui, bah, paf, quand on arrive dessus, c'était un carré, et c'est trop tard. Hein. Voilà, donc, cela, ça a été donc un nouveau système qui s'est greffé derrière, qui a été la mémo, la mémorisation. Après, il y a un système mémo un peu plus perfectionné. Et puis, on est arrivé au KVB. Bon, c'était juste pour faire les genèses, pour arriver au KVB. Je ne vous parlerai pas de KVB. Et je ne pourrais pas vous parler non plus de pupitre centré, c'est dommage. Et ni de pupitre, et ni d'ailleurs, quelque chose qui est très intéressant, c'est aussi l'évolution des cabines de conduite, des tramways. Hein, parce que là, il y a aussi un certain nombre de choses qui seraient intéressantes à dire. Bon, je suis vraiment désolé d'avoir débordé. Pardonnez-moi et merci pour votre attention et au revoir. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, nous allons donc passer à la petite session de questions-réponses, de remarques. Pour l'instant, il n'y a rien du côté des spectateurs. Est-ce que du côté du plateau du colloque, vous avez des remarques ou des questions à poser? Alors, Cécile, tu m'as interdit d'image. Ah, mais moi, je n'ai absolument rien fait. Ah bon? Alors, qu'est-ce? Bon, donc je suis là, mais invisible. Mais attends, on va rétablir ça. Tu m'entends, c'est déjà ça. voilà, tu es revenu. Bon, alors ça, c'était un exposé express. En effet, on voit bien qu'on vous a, brutalisé. Avec les délais, mais du coup, on dispose quand même d'une dizaine de minutes s'il y a des questions particulières sur cet exposé. Ensuite, moi, j'ai deux, trois choses. Ce que moi, j'ai retenu, qui m'a vraiment marqué ce matin, et ensuite, on donnera la parole à Georges pour la synthèse des trois jours. On fait comme ça? Tout à fait. Oui. Est-ce que je peux me permettre une question? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que M. Hérissé entend par pupitre ouvert et pupitre fermé? Il y a un micro où on parle de ça. Oui, c'est là, il est. Ah, oui, d'accord. Oui, alors en fait, pupitre fermé, c'est l'existence de cette table, hein, dans laquelle, en fait, finalement, les genoux du conducteur, finalement, peuvent se positionner donc en dessous finalement. Hein. Le pupitre ouvert, lui, on retrouve donc en fait très schématiquement hein, la partie traction et la partie frein hein, qui font des ensembles à gauche et à droite. Mais en fait, on n'a pas cette table, hein, en fait, qui sous laquelle il y a les deux pédales de VA là, hein, pour nos matériels. Hein, c'est ça la différence, hein, c'est ça. Hein. Et donc, ces pupitres ouverts, on les a trouvés par le passé assez souvent sur des engins, notamment chez les Anglais, chez les Scandinaves, hein, mais pas seulement. C'est fort possible. Hein. J'avoue que je ne suis jamais monté en cabine d'une classe 66, mais c'est bien possible. Autre question? Alors, je retiens de l'exposé de Philippe le fait qu'il ait cette manière très intéressante qui nous donne des années 50 à nos jours, on a compris, il renvoie à l'histoire de la cabine, plus largement à l'évolution du système de traction, évidemment. Hein. Ça, c'est très important, de l'électromécanique, de la vapeur électromécanique à l'électronique de pilotage, etc. Tout ça, c'est très important. On voit bien que les conséquences sont importantes sur le pupitre.
Alors, je voulais évoquer, on a vu des horreurs ergonomiques, mais je peux dire qu'il y a eu un contexte intéressant où l'ergonomie est sacrifiée absolument à l'économie, l'ergonomie sacrifiée complètement à l'économie, c'est-à-dire c'est la commande, le grand tournant du courant de tension alternatif, hein, donc, dont la promesse est une promesse de réduire les coûts d'installation fixe et les coûts de traction. Hein, bon, donc, c'est le grand projet de Louis Armand, épaulé par Fernand Louvion. Hein, bon. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la consigne de foindre au moindre coût ce nouveau matériel sur la ligne du charbon et de l'acier, hein, Fernand Louvion, bon élève du grand chef Louis Armand, va s'évertuer à faire quatre modèles de ces fameuses fers à repasser, hein, BBCC, avec des variantes du point de vue chaîne de traction, mais en intégrant complètement qu'il faut atteindre l'économie absolue. D'où le fer à repasser, et qui est le musée des horreurs ergonomiques, mais qui répondait parfaitement du point de vue de Fernand Louvion. Il explique très bien dans des archives extraordinaires comment il réussit à concilier en particulier finalement la cabine unique, hein, c'est une cabine unique, le fer à repasser, la cabine unique, les problèmes de visibilité d'un pantographe très élevé qui vont abaisser l'angle de vue de la cabine, donc il va falloir trouver des astuces pour quand même dégager la vue, et puis naturellement la cabine unique réversible, donc où le conducteur est de manière positionnée de manière latérale avec le coupe-jambon, etc. Voilà. Donc on peut arriver, je crois que ça illustre bien qu'il peut y avoir dans la conception des machines, hein, voilà, des impératifs de type économie, et il est quand même toujours présent, on l'a évoqué à plusieurs reprises, qui va très très loin jusqu'à complètement saboter la dimension ergonomique. Hein. Bon. Moi, je retiens aussi de l'exposé qu'une fois plus ce matin, on a la bonne nouvelle, c'est qu'on entend parler maintenant de designers qui font plutôt un bon boulot de point de vue ergonomique. Hein, c'est, bon, qu'il ne faut pas que la décoration et de l'habillage, hein, ou du pelliculage. Voilà. Alors, il y a un point peut-être, juste pour rebondir sur ce que tu disais juste précédemment, Georges, qui est intéressant, hein, et on n'a pas évoqué cet aspect-là, je crois, jusqu'à maintenant, hein, c'est la différence d'approche de la SNCF et de la DB, hein, des Français et des Allemands, par rapport à la manière dont on allait envisager finalement l'ergonomie du système de signalisation de cabine. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, plus ou moins consciemment, mais la SNCF a finalement décidé de rentrer dans un schéma où les conducteurs habitués finalement à la signalisation latérale classique, hein, qui jusqu'alors, hein, était la seule qui existait, hein, eh bien, il fallait essayer de se rapprocher le plus possible par de tout petits détails, certes, hein, mais de la même façon d'approcher les choses. Hein, vous savez que la transmission voie machine pour le TGV, c'est finalement des informations de vitesse, hein, des informations de vitesse, soit des informations de vitesse d'annonce ou de vitesse d'exécution qui sont données sous la forme donc de ces informations de vitesse sur un visualisateur dans la cabine. Et alors, la présentation de ces informations, c'est juste là où je veux en venir, hein, c'est que, par exemple, on s'est attaché à faire que les informations d'annonce, hein, c'est-à-dire annonce, c'est-à-dire en fait la vitesse que l'on doit donc que le conducteur doit respecter au repère d'entrée du canton suivant, eh bien, elle soit sous la forme de losanges blancs avec des chiffres noirs, tout simplement pour faire l'analogie avec les TIV à distance, les tableaux indicateurs de vitesse à distance qu'il y avait en signalisation latérale classique. De même, les indications d'exécution, hein, celle qui donne la vitesse que l'on doit maintenir donc sur la longueur du canton, hein, en fait, elles sont données sous la forme de carrés, hein, noirs, à fond noir, avec des chiffres blancs, tout simplement aussi par analogie avec les TIV d'exécution que l'on rencontrait sur la signalisation latérale classique, étant entendu
étant entendu que les indications plus restrictives, hein, normalement on les a bien entendu que à l'entrée d'un canton, alors que des indications libératoires, bien sûr, on peut les avoir à n'importe quel moment. Alors les Allemands, hein, parallèlement, ils sont pas du tout rentrés dans cette logique-là, hein, finalement. Ils ont remonté quelque chose tout à fait ex nihilo, quelque part, c'est le LZB, hein, le Linienzug Bärenflussung, hein, hein, l'influence du train continue, hein, si on traduit. Et en fait, la conception est radicalement différente, puisque on ne cherche plus à donner aux conducteurs des indications, hein, donc de vitesse, des indications d'annonce ou d'exécution, hein, mais en fait, on va raisonner finalement sur des grandeurs, hein, que sont la vitesse réelle, le Faust, la vitesse de consigne, le Fausol, la vitesse bu, le Fautil, hein, et puis une distance bu à laquelle il va falloir respecter la vitesse bu, hein, et du coup, la visualisation du truc, hein, elle est radicalement différente, mais en même temps extrêmement sympathique, hein, puisque finalement, on a donc, j'aurais pu vous montrer parce que j'ai des photos, peu importe, mais on a finalement donc un cadran, hein, avec donc, une aiguille qui donne le far west, c'est-à-dire la vitesse réelle à l'instant T, hein, un petit index rouge là, hein, qui va se balader, hein, sur la périphérie, qui va être la vitesse de consigne, donc la vitesse qu'il faudrait respecter, hein, de manière à pouvoir atteindre le Fautil, qui est la vitesse bu, qui va apparaître dans le même cadran, mais sous la forme d'un afficheur numérique. Et puis on a une espèce de thermomètre sur la gauche là, en fait, qui va donner donc la distance, hein, à laquelle la vitesse bu, hein, va devoir être respectée, donc la distance bu en quelque sorte. Et bien ça, en fait, le LZB, c'est exactement l'ergonomie finalement de l'ERTMS, hein. Donc c'est assez amusant de voir qu'à des périodes assez similaires, hein, nous on a plutôt adopté quelque chose qui était dans le sens trop perturber nos agents de conduite par rapport à des mécanismes, à une philosophie de sécurité, hein, qui est la nôtre et la leur, hein, et puis effectivement les Allemands qui eux sont partis sur quelque chose de sont partis d'une feuille blanche finalement, hein, et en fait il se trouve que c'est aussi l'ergonomie de l'ERTMS. Il n'y a pas d'autres questions? J'en aurais une. Et mon micro, je vous prie de m'excuser. Il y a une question de Monsieur Bouvarel. Allez-y, je vous en prie. Oui, c'est plus deux remarques. La première, c'est que le problème d'avenir des cabines de conduite actuelles, c'est la visibilité des signaux bas. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec tous les matériels modernes, je parle MING, RERNG, Z50000, etc., c'est que les cônes de visibilité vers les signaux bas deviennent extraordinairement limités de par le bouclier de protection anti-choc à l'avant de la cabine. Et comme la vitre est réduite, un peu à l'image de ce que nous a raconté Daniel Brun tout à l'heure sur Eurostar, on a aussi des problèmes de visibilité sur les signaux qui sont latéraux et hauts. Sur Paris-Est, on a trouvé un signal qui est jusqu'à 10 mètres au-dessus du plan de roulement et à 5 mètres en écartement latéral. Donc, en fait, globalement, on s'aperçoit que l'amélioration de la cabine de conduite conduit actuellement à des nouveaux problèmes. Et le problème d'introduction du RERNG et du MING, donc sur les RERB, D et E, va être en fait la visibilité des signaux bas en particulier. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, moi, j'ai vu conduire sous LZB. J'attire particulièrement l'attention, et je crois que c'est bien la différence fondamentale avec la TVM, c'est que l'anticipation, c'est-à-dire le thermomètre, hein, ou la baguette, on parle quand même de baguette, hein, la distance d'application du freinage a un effet non nul sur la conduite. C'est-à-dire que le conducteur qui voit l'apparition d'une indication restrictive qui peut être à 15 000 ou à 20 000 mètres a immédiatement tendance à couper la traction. Or, le fond des problèmes de débit sont qu'on demande au conducteur, c'est d'avoir une conduite très rigoureusement similaire et fonction de ce qu'on a décidé et non pas fonction de ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut maximiser le débit, il faut, permettez-moi l'expression, ce n'est pas du tout le fond de ma pensée, mais il faut uniformiser le conducteur. Et donc, attention, dans 20 ans,
peut-être dans le colloque similaire qu'organisera Georges, on parlera de ces problèmes-là. On a tout automatisé. Tout à fait, de toute façon, ça c'est très très vrai hein, au niveau de, la, hein, de l'approche conduite hein, entre LZB et TVM. Je rajouterais aussi juste sur ce que vous disiez précédemment, hein, si on regarde par exemple ce problème de cône de visibilité, hein, bon, on a aussi ça pour l'entrée sur les gares avec voie en impasse. Hein, quand on regarde sur les Z50000, hein, il faut des miroirs au-dessus des heurtoirs, hein, de façon à ce que le conducteur puisse juger exactement de sa position par rapport au heurtoir. Donc ça, c'est un vrai problème, effectivement, c'est un vrai problème que cette réduction du cône de visibilité. L'histoire des miroirs sur heurtoir, je l'ai vu à Montparnasse, parce que c'est moi qui ai demandé qu'on implante des miroirs pour qu'on puisse rentrer avec les régios de Zen à Montparnasse. C'est aussi d'abord et avant tout un problème de longueur de matériel. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Marc-Marie Mantrand, dans un article de Rail Passion, l'a bien montré. C'est que les régios de Zen sont une trentaine de mètres plus longues que les VB2N avec 27 300. Et le sujet, pourquoi on est arrivé là? Parce que le IDFM ne voulait absolument pas créer des rames spéciales comme on a fait pour les Z50000 de Saint-Lazare, hein, avec les caisses courtes. Alors, je suis désolé, je vais devoir, même si c'est extrêmement intéressant, nous allons devoir conclure. Donc, je vous rassure, le sujet n'est pas clos pour autant, puisque nous prévoyons en janvier prochain, en 2022, un nouveau temps pour parler de cabine. Parler de conducteurs. Donc je vous remercie. Je vais passer la parole à Francis, qui nous a guidés lors de cette demi-journée, qui va donc conclure la matinée. Francis, tu peux désactiver ton micro et je te laisse la parole. Merci. Voilà. Merci Sébastien. Alors, trois mots très rapides pour permettre ensuite à Georges de tirer la synthèse des trois demi-journées. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné ce matin, et ce n'est pas seulement anecdotique, comme l'a rappelé Robin Foote, c'est que les riverains veulent dormir, la cabine de conduite passe au centre. Bon, je pense que ça, c'est une question tout à fait intéressante. Robin Foote a montré que ça pouvait être le résultat inattendu d'un certain nombre de circonstances. Et je pense que c'est une idée à retenir, ça peut être un fil conducteur de recherche. Deuxième chose, très rapidement aussi, ce matin, on a beaucoup évoqué des différences culturelles. Et visiblement, pas seulement des différences de culture scientifique, mais aussi des différences culturelles tout court. Et je pense que c'est en particulier avec les vocations de la Suède, qui était tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Je pense que ça aussi, c'est probablement un axe intéressant. Et ce qui est presque étonnant, à contrario, c'est que pour Eurostar, les choses se soient passées rapidement et convenablement. Et puis le troisième point, il a été évoqué à un moment donné, de façon pas très très positive, c'était le rôle du syndicalisme. Au fond, est-ce que les syndicats se sont intéressés aux conditions de travail, finalement, en termes d'hygiène, en termes de pathologie? Voilà, et ça, je pense que c'est aussi une question qui… Alors, évidemment, les spécialistes pourront répondre non, ça ne les intéresse pas du tout, ou au contraire, si, ils sont dans toutes les commissions, dans tous les comités, mais je pense que c'est une question qui pourrait être intéressante sur l'évolution des conditions de travail et que ça peut retentir, effectivement, sur la façon d'organiser l'outil de travail. Voilà, c'était les trois points que j'ai retenus de ce matin, et je vais passer la parole à Georges pour la clôture générale, en remerciant tous les participants et puis en retenant l'idée que ces trois demi-journées ne sont pas, comment dire, qu'une manifestation d'un jour et qu'on a là les pistes de travail pour approfondir ce travail et mettre en correspondance un certain nombre de sujets. Et je crois que c'est un véritable axe de recherche qui pourrait devenir pérenne. Voilà, merci beaucoup. Et Georges, à toi la parole. Eh bien, j'en prie facilement. Ce projet pour une histoire de la cabine de conduite me tient à cœur depuis fort longtemps. Je me suis intéressé toujours à l'ergonomie et on a mis quelques années finalement à aboutir à cette journée, à ces trois jours. Et je suis particulièrement heureux, fier,
j'ai déjà 76 ans, je suis toujours un chercheur actif et parfois trouvère, d'obtenir un résultat très positif par les partenaires autour de moi qui ont contribué, les auditeurs assez nombreux, je fais coucou à Paul Boirel, à M. Zalkin, voilà, on retrouve des anciens attachés toujours à l'histoire, cette histoire de la SNCF et de la traction de manière générale. Et c'est, donc je suis très, très heureux. Alors je voulais rappeler simplement que en 1993, nous avions consacré une journée au système de machine, il y avait Bernard Escudier, Jean-Marc Combe, Ribeil, j'ai évoqué hier qu'il y avait parmi les présents, c'était à l'UIC, il y avait La Flèche en particulier, et donc plus de 30 ans après, on remet le couvert. Alors, ce qui me semble important, d'abord, je voulais évoquer que j'ai déjà traité rapidement dans l'Historail un numéro ancien de ces problèmes de cabine de conduite, de latérisation en particulier, et j'évoque qu'il y a un seul historien, un ergonome qui a fait une histoire de la cabine, c'est nommé Coops en Angleterre, très âgé, et qui avait contribué par un témoignage puis dans l'Historail à nous rappeler l'originalité de son travail. Deuxième satisfaction, c'est que finalement, dans le semi-direct, semi-différé, au total, l'équipe technique s'est très bien débrouillée. Je crois qu'il y avait 5-6 opérateurs, certains invisibles et discrets, qui nous ont permis de nous voir, d'échanger sans trop de pépins. Bon, on parlera tout à l'heure des actes, je pense, on y reviendra. Moi, ce que je retiens finalement, alors plusieurs idées. Premièrement, je trouve que c'est très, très pertinent de ne pas exclure dès le début, de dire on va traiter à parité finalement le chemin de fer, le métro, le tramway, et puis à la marge, un peu plus tard, on traitera des engins hybrides. J'ai évoqué le locotendeur fourgon du réseau de l'État, les tram-trams d'aujourd'hui, qui sont toujours intéressants en tant que hybride, prototype, de mélange de genre, de mode, d'inventivité souvent, et de réussite très inégale, qui font partie un petit peu du sujet. Nous avions pris le parti d'exclure quand même l'autobus, même si finalement la conduite de l'autobus, on l'a bien vu à plusieurs reprises, se rapproche aussi par certains égards de la conduite d'un tramway, évidemment. Alors, ce qui me tient à cœur, c'est bien sûr l'approche système homme-machine. Nous sommes conscients de la complexité des facteurs interdépendants. Je rappelais tout à l'heure le rôle du combustible. À proximité de la houille de qualité diverse, on va mettre au point une chaudière, un foyer tout à fait différent. On a rappelé à moult reprises les facteurs anthropologiques et on a pointé très souvent l'héritage des codes routiers. Évidemment, ils ont pesé sûrement. On a évoqué le problème du charroi tiré par des chevaux. Et je me rappelle avoir lu qu'aux États-Unis, où le chemin de fer va progresser sans héritage routier, là, effectivement, on a le champ libre pour s'émanciper de ces héritages de codes routiers, en particulier à plusieurs titres. On a évoqué aussi la capacité de ces modes, tramway, métro, chemin de fer, diesel et trivapeur, à s'échanger, en particulier des astuces techniques, en particulier hier, le frein Westinghouse est un élément qu'on retrouve à peu près dans chacun de ces modes ferroviaires et qui est un indicateur de convergence possible. Moi, ce qui m'a frappé hier, je l'ai évoqué, c'est qu'au fond, la succession des exposés m'ont amené à dire que d'un point de vue d'un de micro-ergonomie, j'ai découvert qu'au fond, de manière indirecte, sans programmation, on arrive à des engins, des manettes, des disques, des cercles, des réglos, qui d'un seul geste cumulent plusieurs fonctions antinomiques ou contrastées, dont des régimes de motorisation par des circuits électriques, des circuits pneumatiques dans le cas du frein Westinghouse, autrement dit, d'une seule main avec une seule commande, nous commandons beaucoup de choses très différentes. Et je rappelais dans mon exposé au tout début comment le levier de changement de vitesse est devenu très vite, avec sa vis, un organe de commandement de l'admission de la vapeur dans le cylindre, qui avait les mêmes vertus de pouvoir être à la fois un inverseur de marche,
un réglage de l'intensité de la vapeur, etc. Donc ça me paraît intéressant d'un point de vue, au fond, sans qu'il y ait programmation, de voir qu'on arrive finalement historiquement dans des modèles très simples d'unités ergonomiques, j'appelle ça la manette, le volant, le levier, et sur lequel il faudra revenir, le bouton pressoir. Hein, voilà, ça me paraît aussi intéressant de voir maintenant, de regarder de très près l'interface entre les mains, les bras, les pieds. Voilà, ça me paraît très, très intéressant. Bon, on a évoqué la question qui est parue récurrente dans le exposé. Tout ça converge-t-il, quel que soit le mode, quels que soient les réseaux, vers un pupitre standardisé, simplifié, ergonomique? Bon, le débat est ouvert. On a évoqué le rôle que la SNCF a joué. Il me semble que du côté de l'UIC, il faudra faire le point où en est-on aussi, et est-ce que du côté des constructeurs, alors ça a été, pour moi, c'est le grand absent de la journée, et il faudra le corriger, c'est de ne pas avoir parmi nous des représentants des constructeurs, hein, puisqu'au fond, aujourd'hui, maintenant, on dit que grossièrement, ils ont la main, donc, quelle est leur capacité à contribuer à faire progresser la cabine de conduite? Ou peuvent-ils se contenter de dire, mais compte fait, maintenant, on est dans un état tel que c'est satisfaisant, l'état du pupitre ergonomique, on ne va pas en rajouter. Ça mériterait d'être creusé. En particulier, bon, on sait que la SNCF, longtemps, les ingénieurs du matériel dessinaient, ébauchaient eux-mêmes leurs solutions, commandaient à Alstom ou autres de le concrétiser. Enfin, à voir de plus près, je pense que les constructeurs ont pu apporter des composants importants. Citons Westinghouse, le premier. Je pense je ne sais pas si Favelet, par exemple, qui n'a pas fait que des pantoufles. Enfin, il faudrait voir de plus près un petit peu dans les équipementiers de la traction, si certains, on ne voit pas quand même des choses importantes. Hein. On a noté, alors ça c'est important, en termes d'histoire d'innovation, le rôle du contexte et le rôle du contexte, les rôles de l'événement et le rôle des acteurs. Hein, l'événement, la catastrophe, évoqué mille fois, le rôle du contexte, hein, la pression concurrentielle ou pas, hein, et puis le rôle des acteurs, qu'ils soient concepteurs, conducteurs ou mainteneurs. On n'a peut-être pas assez parlé des problèmes de la maintenance à l'atelier de ces engins, la maintenance de la cabine, on a évoqué on pouvait la balayer, on pouvait la nettoyer. Bon, j'ai souvent entendu parler des horreurs de l'état de saleté des bébés du midi, encrassés de peau de saucisson, etc. Bon, donc, on voit. Et puis, le côté aussi réparation, intervention en temps réel, bon, qui relève plutôt de l'âge de la vapeur que de l'âge, comme l'a dit, de l'âge de l'électrotechnique, où on suit son manuel dans une temporisation 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et après on appelle le secours. Alors, pour terminer, je dirais que je suis très content de la manière dont on a débattu, et j'ai l'impression que beaucoup de sujets n'ont pas été traités. Alors, effectivement, dans le programme initial que nous avions tracé, il y avait quelques aspects qui n'ont pas été abordés, en particulier tout le problème du mouchard au contrôle de l'agent, de la sécurité, c'est-à-dire l'histoire du cap signal, l'histoire aboutira au KVB, l'histoire des informations embarquées qui vont servir à contrôler le travail du contrôleur. Bon, on a en particulier, entre deux guerres, c'est là que se joue, suite à quelques grandes catastrophes, les grands débats sur le cap signal avec des formules très variées, où les réseaux, une fois de plus, avant la SNCF, chacun joue un peu dans son camp, teste une formule, fait appel à un ingénieur ou tel autre. Bon, on l'a évoqué, et moi j'y tiens dans le projet qui suivra, à trouver toujours, identifier les noms des acteurs, je parle du côté des ingénieurs, qui ont signé des articles, qui ont été un petit peu pionniers dans cette contribution à l'amélioration du confort. Sur les syndicalistes, on a évoqué rapidement, c'est une bonne idée. On avait invité dans nos premières réunions, on avait invité la FJAC, la CFDT et la CGT. Ils sont venus, ils sont repartis.
Bon, on essaiera de voir s'ils peuvent, s'ils sont intéressés ou pas. Je pense que l'AFJAC, en tout cas, l'AFJAC a une vertu, c'est enfin, comme la CGT aussi, je crois, mais ils conservaient très bien leurs archives. Bon, mais lorsqu'on lit quand même, pour simplifier, lorsqu'on lit les revendications des gens de conduite, trop souvent, c'était une affaire de durée de travail, de primes, de salaire, et beaucoup plus secondairement, d'amélioration du travail. Et c'est une thématique bien connue. Il se peut qu'au fond, la condition pénible du mécanicien, du chauffeur, participe de sa noblesse, c'est-à-dire, j'ai un métier rude, j'en chie, mais au fond, vous voyez, inversement, le métier est noble et je suis très content, je suis fier de ma fatigue, fier de mon usure. Voilà, hein, ça c'est très important, cette dimension psychologique qui participe de... Bon, on a à peine évoqué les conséquences des traditions de titularisation ou banalisation, etc. Alors, pour terminer, je dirais que on va vous parler maintenant de l'idée que le colloque n'est pas fini, puisqu'il va aboutir à des actes. Et Cécile va vous en parler si vous voulez, mais moi je voudrais terminer en disant simplement que la recherche continue. Donc, le groupe de travail qui a été mis en place et qui, je remercie pour avoir aidé à élaborer le programme, continue le travail. Ceux qui nous ont écoutés de près ou de loin peuvent prendre le train en marche. Il suffit d'indiquer un petit peu quels sont les thèmes sur lesquels ils ont des choses à dire, des témoignages ou de la documentation. Je tiens à tout prix à ce qu'au-delà de la publication consacrée traditionnelle des actes de la journée, dans le numéro de la revue, après le numéro 8, ce sera le numéro combien, je ne sais plus. Bon. En tout cas, l'idée, c'est d'aboutir, à mes yeux, à un livre important dont j'ai en tête le modèle qui pourrait être un seul tome, mais du genre « Histoire de la traction électrique » qui avait été en deux volumes par Voiman, Bachefertassin et Nouvion, quelque chose de très complet, sur lequel, bien sûr, il y a un public évident. Voilà, dans la mesure où, finalement, ce sera le mot de la fin, nous sortons ainsi des moult témoignages héroïques des mécaniciens de la vapeur, qui, de leur mémoire, lorsqu'ils deviennent Wattman, s'arrêtent, il n'y a plus rien à raconter, bon, ce qui, qui renvoie à la noblesse qui perçoit, et puis, de l'autre côté, des belles monographies savantes de locomotives déshumanisés, des photos de locomotives où on a dit prise un atelier en studio dans lequel tout facteur humain est purement évacué. Merci. Merci beaucoup, Georges. Je vais continuer quelques instants dans les remerciements puisque ces trois demi-journées sont maintenant quasiment terminées. Merci tout d'abord aux différents intervenants, qu'ils aient été à distance ou avec nous ici dans les locaux de Railler Histoire. C'était pour les intervenants et peut-être aussi pour certains spectateurs une première que c'est ce colloque à distance. Je pense que tout a à peu près bien fonctionné, à part un petit raté la première journée, mais globalement, on aura peut-être des retours, vous nous direz si ça a bien fonctionné ou pas. Mais j'espère surtout que la prochaine fois, on pourra se retrouver en vrai, en présentiel, comme on dit maintenant. Et à ce propos, donc, ce devrait être, on envisage pour prolonger cette journée après la publication des actes qui interviendra à la fin de l'année 2021. Et je contacterai les différents intervenants pour vous préciser une modalité pratique. Donc, la publication des actes dans un prochain numéro de la revue d'histoire des chemins de fer et au début de l'année 2022, donc une table ronde où on espère pouvoir réunir notamment des constructeurs, puisqu'après avoir pris connaissance des actes et des discussions qui ont eu lieu ces trois demi-journées, pour rebondir là-dessus et nous apporter leurs éclairages. Eh bien, je crois que j'en ai terminé.
Merci à toutes et tous. Donc, comme on l'a dit, pardon, vous l'avez vu, tout a été enregistré au cours de ces trois demi-journées. Donc, on a maintenant un travail de montage, de coupe éventuellement des moments, des petits ratés techniques. Et tout ça sera à disposition dans quelques temps. On vous en informera donc, sur le site de Rail Histoire. Voilà, merci infiniment, bonne fin de journée, bon appétit, excellent week-end et à très bientôt.